Bonsoir à tous les sociaux de Web Girondins. Bonsoir à tous les Girondins. Bienvenue dans le talk sur Web Girondins. Je suis heureux d'être avec vous pour ce talk hebdomadaire. Avec ce soir, vous le voyez, il est là. Il a mis un beau maillot. Monsieur Lassina Diabaté. Bonsoir et bienvenue, Lassina. Bonsoir, monsieur, et bonsoir à tous ceux qui vous écoutent. Mais bonsoir, merci d'être avec nous, Lassina, champion de France, je le dis pour les plus jeunes tout de suite, 99 avec les Girondins de Bordeaux, et un beau maillot ce soir. C'est le maillot de quel match ça, Lassina? C'est le maillot retour contre Aston Villa. Pendant cette période, c'était plus, comme on l'appelle aujourd'hui, c'était la Coupe des Coupes. Et on avait joué ici match nul contre Aston Villa, et au match retour, malheureusement, on avait perdu pendant les prolongations là-bas, Aston Villa. Voilà, bon, ça nous rappelle de bons souvenirs d'une époque révolue, mais dont on garde des souvenirs joyeux. Avec nous ce soir, Lassina, autour du micro, monsieur Gino Forte, qui a mis le maillot aussi. Gino, salut. Ouais. Gino. Celui de 2000, année 2000. Ouais. Salut Nico, salut à tous. Celui juste après le titre. J'avais mis celui du titre pour Elie Bop, et là, j'ai mis celui des années 99-2000 où on a joué la Ligue des Champions, où Lassina avait fait d'ailleurs 12 matchs sur la campagne européenne. Absolument. Monsieur Jonathan D'Agostino qui est là. Salut Joe. Salut, salut, bonsoir à tous. J'ai pas mis les maillots parce que ceux de l'époque, j'y rentre plus. Oui, c'est vraiment mort. Ah non. Bah, j'étais petit à l'époque. Non, j'ai pas, c'est pas une question de... Ah, parce que j'étais plus petit, d'accord. J'avais 11-12 ans à l'époque. Donc, remettre les maillots maintenant, ça ferait un peu bizarre, je pense. Ça ferait pas un super effet. Bon. Voilà. Moi, je regrette de pas avoir mis mon maillot, par contre. J'en ai plein, mais j'ai pas mis ce soir. J'ai mis la chemise. Bon, voilà. Monsieur le journaliste de cette émission, Samuel Vasselin du Club des 5. Salut Samuel. Bonsoir à tous. Mais le maillot te tirait très bien aussi, Nico, tu sais. Hein, ouais, moi je l'ai celui-là. J'en suis persuadé. J'ai celui, alors qui ressemble coq sportif, mais avec, quand il y avait JPP. Mais je sais pas s'il était encore au club à ce moment-là, quand il y avait les papins. Si, il était. Si, t'étais là. Absolument, ouais, parce que moi j'ai fait une année avec lui. Ouais. C'est l'année du titre et qu'il n'était plus avec nous. C'est vrai, exactement. Et ben moi j'avais le maillot. On a joué la finale à Paris, Coupe de la Ligue, qu'on a perdu au tir au but, sur le dernier tir au but de JPP. Et oui. Moi, j'avais le maillot de l'année JPP, mais j'avais 3 ans, donc aujourd'hui, ça me fait même pas un short. Quoi. et moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, pour le maillot de JPP, pour la petite histoire, il était partenaire de Whitey, les jus de fruits. Et pour avoir ce maillot, il fallait des litres et des litres, il fallait découper, tu sais, dans les boîtes en plastique, les points. Et moi, j'avais rempli le chariot, j'avais vidé le jus d'orange pour découper les points et avoir le maillot. J'avais fait comme ça. Ah, il marquait JPP derrière, en plus, c'est ça, à l'époque. Hein. Il y a marqué JPP. Et monsieur Conan qui est là, Dogawa, salut Conan et bienvenue à toi. Salut, salut, ça va tout le monde? Merci à vous de votre présence. Alors Conan, Lassina, il a la casquette du pilote de ligne parce qu'on a toujours l'impression qu'il est dans une cabine de pilotage avec sa voix. Ah oui, bon. Bon. il nous pilote un peu le chat et les réactions sur YouTube. D'ailleurs, je salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous êtes une centaine déjà. C'est diffusé en direct aussi sur Twitch et sur notre page Facebook. N'hésitez pas, vous savez, on en a l'habitude, à liker, à partager et à commenter aussi les vidéos. On vous pose une question ce soir dans le talk. Quel souvenir gardez-vous de Lassina Diabaté chez les Girondins de Bordeaux? Dites-le nous. Moi, j'en ai un particulier en tête. On en parlera tout à l'heure. Vous aussi, messieurs, vous pourrez lui en parler. Dites-le nous dans les commentaires. Et je vous propose de regarder tout de suite le sommaire de cette émission. Alors, première partie, on va la consacrer à Bordeaux-Strasbourg. On va parler du match d'hier avec les enseignements, notes et focus sur la composition d'équipe. Après, Lassina, on profitera de ta présence aussi pour parler, se replonger un peu dans cette époque de 1999 et d'avoir ta vision du football, ton regard sur le club et le football amateur aussi, parce que Lassina est aujourd'hui co-président du football club de Saint-Médard en Jal. Donc on pourra en dire deux mots aussi. Voilà. On parlera du club,
bien sûr, on pose cette question. Je pense qu'on peut, on est en droit de la poser aujourd'hui. Est-ce que le club doit se séparer de Jean-Louis Gasset pour faire un électrochoc et enrayer cette spirale de défaite? Donc, on en parlera ensemble. Et enfin, on se projettera sur ce match face à Saint-Étienne. Est-ce que c'est un dernier joker pour les Girondins? Voilà, messieurs, est-ce que ça vous convient? Je pense que le contenu est parfait. On va casser l'ambiance un peu en démarrant avec cette première partie, mais c'est pas grave, allons-y. Ouais, j'ai préféré mettre le match en première partie et parler de la Sina après. Ouais, voilà. Très bien fait. On va s'énerver au début, on va se calmer ensuite, on va se réénerver un petit peu sur la fin. C'est très bien. On dirait que c'est au bon équilibre. Ouais, c'est un bon équilibre. Lassina, est-ce que tu as vu le match ou pas? Je ne sais pas si tu as vu le match. J'ai vu le match et j'ai dit très frustré du résultat d'abord. Je pense que c'est le résultat par rapport et à la situation actuelle du club. Je pense que le résultat est très frustrant puisqu'on aurait eu un peu d'oxygène en prenant ces 3 points à domicile qui nous aurait permis effectivement... Et moins de dire à 99-99 qu'on se serait maintenu en Ligue 1. Ouais, c'est sûr, on a laissé passer l'occasion parce qu'il y avait la place quand même. Absolument, il y avait la place. Quand on prend 3 buts, ça veut dire que quelque part, on a du mal, effectivement. 3 buts à domicile surtout. C'est ce qui est difficile à accepter. Quand on marque 2 buts, on dit quelquefois, quand on marque un premier but, on se met vraiment dans des situations plus confortables. Le plus difficile est fait. Mais par contre, quand on en prend 3, ça veut dire qu'à un moment, moi, c'est une analyse qui m'est simple. Hein, quand une équipe prend 3 buts à domicile, ça veut dire qu'à tous les niveaux, on n'indexe pas à la fois les défenseurs, le gardien, c'est tout le monde qui plonge. Aujourd'hui, l'état du club ne peut pas permettre à l'effectif des 11, voire ceux qui sont sur le banc, de nous donner un résultat qu'on a eu hier. Je pense qu'il faut vraiment... Est-ce que les joueurs s'en rendent compte? Il faut qu'ils s'en rendent compte parce que là, ça devient beaucoup plus compliqué. Moi, il y a un mois, on m'aurait dit, avec certitude, j'ai dit qu'effectivement, le club, il n'y a aucun souci qu'on s'y maintiendrait. Après le match d'hier, je pense que je commence à me poser des questions quand même. Allez, messieurs, les enseignements. Samuel, je sens que tu as envie de t'exprimer fortement. On t'écoute. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Le principal enseignement de la journée d'hier, c'est que Saint-Étienne donne de l'air à Bordeaux. Voilà, avec cette victoire à Nîmes. Nîmes reste à 7 points. Et comme l'a dit Lassina, cette relégation qui paraissait être un terrible cauchemar et qui semble de plus en plus se rapprocher, reste quand même un petit peu à une certaine distance grâce à cette victoire de Saint-Étienne. Après, sur Bordeaux, des enseignements, non, parce qu'un enseignement, c'est quelque chose qu'on découvre. Et j'ai rien découvert, moi, hier. J'ai rien découvert, j'ai encore vu la même chose. Ce qui m'agace, c'est qu'en termes de communication, j'ai entendu beaucoup de choses avant ce match de Strasbourg, avec cette trêve, avec ce repos, etc., des joueurs. Et faire cette entame de match-là, faire ce match-là, tout simplement, parce qu'il y a 3-2 à l'arrivée, mais le score, il est flatteur. Le score, il est flatteur, c'est ça le pire. Parce que Bordeaux perd 3-2, mais Bordeaux a été catastrophique en première mi-temps et a été catastrophique en deuxième mi-temps. Il est là le principal souci. C'est qu'en première mi-temps, oui, il y a 3-2, oui, il y a 10 minutes où Bordeaux ressort un petit peu la tête hors de l'eau en fin de première mi-temps, où Strasbourg perd un peu d'euphorie, mais sur les 35 premières minutes, c'est une leçon. Et sur la deuxième mi-temps, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait 1-0 pour Bordeaux, en fait. Pendant 45 minutes, je n'ai pas vu une équipe qui s'est dit on doit égaliser, on doit gagner ce match. À aucun moment. Et là, ça pose un gros souci. Parce qu'en termes d'engagement, il n'y a aucun joueur qui y est. Que ce soit sur la première, deuxième mi-temps, on sent personne, aucune solidarité. Le comportement des joueurs sur les actions des buts et après les buts, on sent que dans leur tête, il ne se passe plus rien. Sur le banc... Alors, pareil, on parlait du fait que l'équipe jouait comme s'il y avait 1-0. Alors, sur le banc, je crois qu'ils n'étaient pas au courant qu'il y avait 3-0. Que peut-être fallait leur envoyer un texto, un truc comme ça. Mais ils sont revenus quand même rapidement au score. Ouais, mais bon, il y avait un gros dysfonctionnement. N'importe quel entraîneur, quasiment. Moi, je pense notamment à Guardiola. Je pense à Guardiola l'an dernier quand il y a City-Liverpool. Que Liverpool, ils mettent une tôle à City.
ils tentent quelque chose. Ils disent pas grave, je vais peut-être en prendre 4 ou 5, mais je perds 3-0, on a la demi-heure de jeu, je tente quelque chose. Gasset, il perd 3-0 à la 27e minute, pas un changement avant la 60e. On n'a rien essayé de faire, en fait. On n'a rien essayé de faire. Donc, sincèrement, c'est une catastrophe de plus dans la saison girondine. Mais surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est l'abandon total hier, clairement, dans les ambitions, dans les intentions de jeu du coach et des joueurs. C'est clair et net. Si certains n'avaient pas compris, on vous l'a mis devant les yeux hier après-midi à 15h. Gino, tes enseignements, on vient d'entendre Samuel. Non, mais je vais rejoindre totalement Samuel. Et puis, mon premier enseignement, il va être… Dans cette optique, pour moi, dans ce club, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, en fait. Que ce soit les joueurs, la direction, le staff. Il n'y en a pas un qui va se bouger au bout d'un moment et qui va dire stop, on arrête l'hémorragie. On est dans un objectif de maintien, même pas. On n'est même pas capable de ça. Et la première demi-heure, elle est symptomatique de tous nos maux de cette année, mais bien plus. Et on voit qu'il n'y a eu aucune réaction. Alors après, on est sur le pire total de points depuis la saison 95-96, pour donner un peu des chiffres aussi, ce qui est faramineux, quoi, parce qu'à l'époque, on jouait la finale de la Coupe de l'UEFA, et maintenant, on a plus rien à jouer. Hein. Donc, pour une équipe des Girondins, c'est quand même une saison qui va rester encore dans les annales. Et donc, Gassé, on est obligé d'y venir. Les joueurs, je les ai beaucoup pointés du doigt pendant très, très longtemps avec différents coachs. Il faut être honnête, Gassé, pour moi, hier, il nous a fait la totale. Hein. Il nous a fait Mescher qui est à la rue depuis des mois et il nous le met sur le terrain. Il nous fait une défense à trois. Il nous met Nicolas Depréville qui est hors du club depuis des mois et des mois. Ben Arfa, il le remet d'un coup. Tout un match. Donc, on se demande s'il a encore la clé, Jean-Louis. Hein. Pourtant, j'apprécie ce qu'il avait fait, mais il est vraiment, comme son équipe, dans une passe très noire pour moi. Et le dernier point, encore une fois, Samuel l'a très bien dit, le meilleur allié de Bordeaux pour le maintien, c'est la Ligue 1. On le dit depuis des années. Ça nous a aidé souvent. Mais on se demande dans cette Ligue 1 qui a un faible niveau, comment on pourrait descendre? Parce qu'il va falloir m'expliquer comment Nantes et Nîmes vont arriver à 37-38 points. Des équipes qui sont en très grande difficulté. Et c'est ce qui nous permettra, à mon sens, de nous sauver. Parce qu'on n'est même pas en capacité actuellement de gagner un match. Très bien. Joe, allez, on enchaîne les enseignements. Joe, on t'écoute. Et puis après, on débat, on fera réagir, bien sûr, Lassina à tout ça. Ça va rejoindre un peu Samuel et Gino, forcément, c'est compliqué de ne pas être d'accord avec eux. La première, enfin, moi, c'est surtout l'entame de match qui est vraiment catastrophique, qui me fait penser à une équipe qui va tout droit en Ligue 2. C'est symptomatique de ceux qui sont légués dans les précédentes saisons. Tu vois que l'entame de match, il n'y a rien, il ne se passe rien, on prend une vague et il n'y a aucune réaction. Et tu vois que l'équipe, elle est totalement désunie, désarmée, et ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive. Clairement, donc heureusement que Strasbourg baisse un peu le pied et puis que nous, derrière, on arrive à, tant bien que mal, à gratter deux buts en fin de mi-temps, on ne sait pas trop comment. Mais même en mi-temps, je ne voyais pas revenir. Et clairement, Strasbourg méritait plus le 4-2 que nous de revenir au match, on va dire, fait d'égaliser sur la seconde mi-temps. Le second point pour moi, c'est certains joueurs que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à supporter désormais. Les Mescher, les Seri, les Depréville, les Ben Arfa, même Sabali, qui offensivement, effectivement, mais derrière, défensivement, il a été à la panade comme tous ses collègues défensifs parce que le milieu, effectivement, a été en difficulté. Mais lui, sur le deuxième but, le duel face à Diallo, il fait semblant d'y aller. Moi, ça me gêne un petit peu. Et quand je le vois rigoler à la fin du match avec son ancien collègue Thomasson devant les caméras, voilà, sois un petit peu plus discret dans ces cas-là. C'est un marasme complet pour nous, on n'en peut plus. Donc, à un moment donné, respecte un petit peu quand même certaines choses et respecte-nous et respecte un petit peu le club quand même malgré tout. Donc, cette image, moi, elle m'a vraiment touché, clairement. Et autant, j'aime bien le joueur parce qu'il apporte offensivement, mais sur ce match-là, je peux pas, clairement. Ce qu'il a fait sur ce match-là, je peux pas. Et après le match, surtout. Après, le troisième point, mais c'est Jean-Luc Gasset qui est très critiquable, effectivement. Sa composition, voilà, vous savez qu'elle est un peu, on se pose vraiment la question. Maintenant, je me demande si notre système avec quelques joueurs échangés, effectivement, sur la composition, est-ce que ça aurait été différent? Je suis pas certain. Moi, c'est ça qui m'inquiète vraiment, c'est que même si Gasset essaie d'apporter quelque chose ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que le résultat sera le même, parce que durant les 30 premières minutes, j'ai vu une équipe qui était totalement désunie, totalement absente. Donc, prendre un but dès la 4e minute sur coup de pied arrêté, c'est quand même assez, assez grave sur une entame comme ça, sur un match aussi important, de prendre un but sur coup de pied arrêté au bout de 5 minutes de jeu. Moi, je peux pas. À ce niveau-là, ça m'interpelle beaucoup. Et puis, le quatrième point qui me fait vraiment mal, moi, c'est la 4e défaite d'affilée contre Strasbourg depuis qu'ils sont remontés. Dès qu'ils viennent chez nous, ils gagnent. Je respecte Strasbourg. Hein. Et on compare les deux palmarès. Ouais, et puis pas des petites victoires en plus. Hein.
Ah, c'est ça. Généralement, ils se font plaisir. Et là, c'est la première fois qu'on marque. Depuis qu'ils sont remontés, c'est la première fois qu'on marque contre chez nous. En quatre matchs, c'est la première fois qu'on marque contre eux. Donc voilà, ça fait. Quand je constate ce chiffre-là, ça montre quand même que on a une grosse régression depuis ces dernières années et les chiffres commencent vraiment à nous sauter aux yeux. Voilà. Lassina, quand tu entends tout ça, est-ce que ça te semble légitime tout ce qui est dit de la part des analyses là qui viennent d'être faites? Absolument, je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Il y a une vraie cohérence par rapport à la fois. Il ne faut pas simplement aujourd'hui rester sur l'aspect simplement de ce qui se passe sur le terrain. Moi, je ferai une analyse à la fois plus large, à la fois qu'une équipe, c'est un tout. C'est le joueur, c'est l'entraîneur. C'est aussi tout ce qui permet à ces personnes-là d'être dans les meilleures conditions pour avoir des résultats. Je dis les dirigeants. Aujourd'hui, si on fait juste une analyse de début de saison, je pense qu'une équipe qui se prépare en début de saison comme on l'a été, avec le changement comme ça a été fait, pouvoir prévoir ce scénario plus ou moins pour moi, qui est un scénario catastrophe aujourd'hui, pour ce qu'on a connu à Bordeaux. Aujourd'hui, la chose la plus simple aujourd'hui, c'est de dire, il faudrait qu'on soit optimiste pour ne pas être relégable, parce que si on commence déjà dans les analyses, nous, on est complètement à l'extérieur, on peut se permettre aujourd'hui d'avoir ce son de cloche. Mais à l'intérieur, il faudrait que ceux qui sont là, que ce soit le directeur sportif Alain Roche, que ce soit le président Longuepé, que ce soit l'entraîneur Gassé, Jean-Louis Gassé, et surtout les acteurs. Il faudrait que ces jeunes-là comprennent une chose, que Bordeaux ne peut pas admettre une descente comme ils sont en train de mettre en place. Parce que si on ne se réveille pas, si on ne se réveille pas, même si on a une petite marge encore par rapport aux autres équipes, on n'est pas lotis, nous, pour les trois dernières journées pour mettre le bleu de chauffe pour aller chercher des points. En tout cas, avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas lotis pour aller chercher des points. Et quid des leaders du coup, Nico? Parce qu'il faut en parler aussi. À un moment donné, on en a dit du bien. Koscielny, quand il est arrivé en Ligue 1, j'étais le premier à dire c'est un luxe, c'est comme José Fonte à Lille, c'est des mecs qui sont certes vieux, mais qui ont le bagage, qui ont l'expérience pour tenir une défense. Baïs, moi j'étais déçu que Souza l'utilise pas. Quand il est revenu, il a montré toute son utilité, toute son expérience de la Ligue 1. Ben Arfa, il est arrivé en Ligue 1, je me souviens, à mi-décembre, il y en a qui se posaient la question, est-ce que ce serait pas actuellement le meilleur joueur de Ligue 1? Et la question n'était pas folle parce que en termes d'individualité, avec on se rappelle en plus les grosses individualités du championnat qui avaient mal démarré, la question n'était pas illégitime. Tous ces mecs-là, je pourrais rajouter Costil, même si en termes de performance, je le mets moins dans ce panier, mais tous ces mecs-là, là, les performances qu'ils font et les réactions qu'on les voit avoir sur le terrain, mais c'est indigne. Alors certains, ils vont me dire, ouais, Bayes, il a marqué hier, ouais, Koscielny, machin, Koscielny, il fait une passe D, il obtient le péno, mais c'est pas suffisant en fait. C'est pas suffisant parce que ça, c'est ça. Après, c'est des faits de jeu. Je veux dire, à un moment donné, les mecs, c'est des professionnels. Bien sûr que Koscielny, il reçoit un ballon dans la surface, il met une tête. Bayes, il a 1 cm du but, il la pousse au fond. Alors, j'enlève pas le mérite d'avoir marqué, mais c'est l'attitude en fait de ces mecs-là pendant le match qui nous interpelle. C'est de se dire qu'en deuxième mi-temps, Bordeaux est censé tout faire pour revenir à 3-3. Il y a 4 occasions de 4-2 pour Strasbourg. Et il y a quoi? On a combien d'occasions en deuxième mi-temps? Vous avez vraiment vibré à un moment donné, vous, en deuxième mi-temps? Je vous pose la question. Non. Sur une occasion, vous êtes dit, ah, allez, c'est maintenant. Non. Non, 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 Non. franchement. La seule d'Adli, la frappe d'Adli à un moment Ah, il y donné, a quand la il a frappe roulé avec d'Adli, la frappe moi. d'Adli, mais Voilà, enfin, voilà. la frappe d'Adli où Voilà. tu te dis plus, ah, voilà, mais si tu sens pas Dommage. une action, Ouais, tu dis, ah, c'est voilà. bon. Non, c'est Comme, ben, ça. justement, Il n'y a pas de il y a conviction dans la frappe non plus. l'an Mais dernier, l'action. quand on perd contre Strasbourg, si vous vous souvenez bien, à un moment donné, Sam Kalou, il prend le ballon à gauche, tout, il fait tout le monde, il la donne à Briand qui est tout seul, qui la rate. Là, tu te dis, ah putain, bah oui, c'est malchance, c'est un problème de confiance, etc. Mais là, c'est une question d'attitude. C'est Yacine Adli, encore une fois. Il y en a qui ont osé dire après le match de l'OM, il a raison à ce moment-là. Ouais, j'espère qu'il va assumer ses propos. Bah ouais, bah, le problème, c'est que c'est le seul à assumer ses propos depuis ce match-là. C'est le seul que tu vois un peu révolté sur certains matchs. Parce que C'est le seul qui a franchement, fait le la reste. gueule vraiment après le match aussi. Moi, c'est ça qui m'a plu. C'est C'est ça. le seul, tu voyais sur C'est le ça. banc prostré. Et Et même c'est la seule pendant le image, match, moi, qui m'a un petit peu rassuré, tu vois. pendant le C'est match, ça. je le voyais, lui, il était là. Putain, quoi, enfin, et série aussi un petit Ouais. peu que ça a agacé, mais c'est les seuls mecs que tu voyais qui se disaient sur le terrain, mais non, mais je me laisserai pas marcher dessus comme ça. Le reste, c'était. Ouais, et surtout, moi, ce qui m'insupporte, c'est. Donc, Bay, je disais pas au niveau,
Il a tous les matchs, il recule. Il va se retrouver à Chaban-Delmas à force de reculer un jour. Et Koscielny, bah, c'est beaucoup moins solide. Et à chaque match, il arrive, il dit ouais, on commence à regarder derrière. Ouais, mais à un moment donné, j'espère, mon ami, que tu regardes derrière. Et c'est la communication. Ben, c'est ce qu'il dit, Lassina. Il faut que les joueurs à l'intérieur du club soient conscients de ça. Et on a l'impression qu'ils ne sont pas encore conscients du danger. C'est ça, hein, aujourd'hui. Ouais. Donc, je veux juste qu'on regarde la composition d'équipe. J'avais promis un focus sur la compo. La compo de Jean-Louis Gasset. Donc, elle était alignée comme ça. A priori, c'est ce qui est comme ça qu'elle a joué. Pourquoi, je pose la question à Lassina, hein, il a été joueur professionnel. Pourquoi un coach sans tête, entre guillemets, dans un système qui ne fonctionne pas, qui était un peu celui utilisé par Paulo Sousa, même si l'animation est un peu différente, j'ai ce sentiment-là, pourquoi il réaligne une défense à 3, ce qui permet aux joueurs adverses de jouer dans le dos d'Oudin et de jouer dans le dos de Sabali et d'ouvrir des boulevards ensuite derrière? Je pense qu'un entraîneur, la composition d'une équipe, je ne dirais même pas composition, je dirais le dispositif d'une équipe. C'est très important de parler de dispositif, de dire la complémentarité qu'il peut avoir les joueurs les uns avec les autres. Avec une discussion aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'entraîneur doit discuter beaucoup avec ses joueurs pour qui ces joueurs-là, effectivement, acceptent, parce que ça aussi, c'est important. Il faut qu'il y ait une adhésion des joueurs à participer, effectivement, à ce que moi, j'appelle le dispositif pour permettre à l'équipe d'être performant. Je suis désolé de le dire. Moi, je sais bien que si j'ai envie vraiment aujourd'hui d'être plus solide, je ne partirai pas avec 3 défenseurs, je ne jouerai pas avec 3 derrière. J'irai avec une base plus solide, effectivement, m'assurer dans un premier temps et par la suite, avoir cette possibilité d'aller faire un plus que l'adversaire, un but de plus que l'adversaire pour me permettre de sortir avec un résultat positif. Pour moi, aujourd'hui, le dispositif, avec des résultats qu'on a actuellement, il faudra qu'on change notre fusil d'épaule et très rapidement sur le prochain match parce que le dispositif ne convient pas forcément aux joueurs qu'on a. Est-ce que dans le groupe, Salassina, tu l'as peut-être vécu, mais est-ce qu'il y a des joueurs, le capitaine, qui peut aller parler au coach et dire « Coach, ça ne va pas, on n'y arrive pas là Je dirais, le vestiaire déjà, il faut qu'il y ait un leader dans le vestiaire. Je pense que dans l'équipe, quand on voit la réaction des uns les autres, probablement c'est que ce vestiaire, il n'y a pas de leader. Je peux vous dire que j'ai discuté parce que même si je ne porte plus la couleur, mais j'essaie quand même de m'intéresser de plus près en interne, d'avoir des retours. Il n'y a pas de leader dans le vestiaire et ça, c'est ce qui est dramatique aujourd'hui pour le club. Et je vous le dis sincèrement, il n'y a pas de leader. Parce que s'il y a un leader dans le vestiaire, je pense que depuis très longtemps, ce n'est pas de mal de temps en temps qu'on attende des fracas du vestiaire, qu'il y a 2-3 joueurs. Faut pas en venir à ça. Mais il arrive que s'il y a un leader avec la spirale qu'on a, on aurait dû entendre qu'un jour, il y a 2 joueurs qui se sont mis sur la gueule à l'entraînement ou dans le vestiaire. Parce qu'il y aura une révolte au sein du vestiaire parce qu'il y a un leader ou 2 de ses sergents qui n'auraient pas accepté soit le comportement de l'un ou de l'autre pour que les gens puissent prendre conscience. Ce n'est pas forcément en arriver à l'extrême, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il y a trop de choses qui s'acceptent entre eux et qui, pour moi, n'est pas du tout acceptable. On veut avoir un résultat commun. On se doit d'avoir des attitudes à la fois irréprochables sur le terrain, la combativité, aller chercher le résultat quand il le faut, être capable vraiment de ramoter la troupe. Je pense que je ne vois pas ces qualités aux joueurs qu'on a. Et c'est ce qui est dramatique, effectivement. C'est pour cette raison que j'ai dit il y a un mois, j'étais celui qui pensait effectivement qu'il ne fallait pas du tout penser à la relégation. Aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment des doutes sur ce que j'avais dit à un mois. Bon, constat direct hein, de la part de Lassina. Vous voulez réagir, les gars? Joe? Non, c'est un constat que c'est pas surprenant. Enfin, on voit que même celui qui est censé être capitaine, c'est Koscielny. Il a quand même le brassard. Et il te sort. Moi, je leur dis aux jeunes, je leur dis les choses une ou deux fois. S'ils comprennent pas, je laisse tomber. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que les mecs, à un moment donné, mais dans le vestiaire, c'est une catastrophe. Personne ne s'écoute. Tout le monde fait de son côté. Et puis voilà. Enfin, tout le monde en fait qu'à sa tête. Et puis voilà. Donc,
Donc, même, je ne sais même pas si même on avait un leader, si ça serait gérable en fait ce qui se passe dans ce vestiaire-là. Même si tu avais un Michel Pavon comme à l'époque, même si tu avais, je sais pas, un Alou Diarra, ce genre de joueurs vraiment des patrons, ben, je ne sais même pas si un joueur comme ça arriverait aujourd'hui à pouvoir faire comprendre à ce vestiaire qu'il faut qu'on juste, même si on ne s'entend pas, juste faire les choses correctement professionnellement pour que le club se maintienne. Et si après les gens veulent se barrer, etc., mais qu'ils le fassent, il n'y a pas de souci, mais au moins respecter un peu le club, les supporters et le maillot, quoi, même si on n'est pas d'accord avec tout. Voilà. Gino? Ben, quand ton leader a été contesté par ton propre directeur sportif, quand ton ancien capitaine a été destitué par ton président, il y a un truc qui ne va pas dans ce club. Tu vois ce que je veux dire? Donc je rejoins Joe, mais ce que dit Lassina, on le voit et je comprends totalement, il a raison. Il n'y a pas de leader sur le terrain, ça manque énormément. Maintenant, le contexte aussi du club, il avait dit aussi à la base, je pense qu'il est catastrophique ce contexte. Catastrophique. Et tu peux rajouter, à mon avis, le cas Ben Arfa. C'est de la Donc, spéculation, c'est parce que ça. j'ai pas d'infos, hein, mais je pense, on en reparlera tout à l'heure, notamment sur le cas de Gasset, mais je pense qu'il a très très mal géré l'arrivée de la personnalité d'Athem Ben Arfa dans le groupe, parce que Lassina parle de leader. Moi, j'ai le sentiment que quand il est arrivé, Ben Arfa, notamment avant cette période de match contre Rennes, contre Paris, souvenez-vous, qui était très important parce que Bordeaux avait une grosse période délicate en ce moment. Vous venez de prendre une gifle à Monaco, vous venez de perdre à la maison contre Montpellier. Ben Arfa a eu ce côté leader, il y a eu cette altercation avec Otavio. On a senti qu'il a fédéré autour de lui sur ces rencontres-là. Et je pense que, comme le dit Gino, cette troupe-là de cadres sous Souza, qui a été un petit peu désavoué à la fin de l'été par Longue Épée, bah ils se sont dit, OK, il y a une nouvelle. Là, c'est vraiment de l'interprétation et un sentiment. Mais j'ai le sentiment qu'ils se sont dit, il y a une nouvelle tête de gondole, on va suivre. Le problème, c'est que Ben Arfa, il est instable, on le connaît, on en a eu la preuve à Bordeaux, et qu'ils ont, entre guillemets, un peu repris le pouvoir pendant son absence 3 semaines. Il y a eu les 3 victoires. Et derrière, il y a eu ces défaites, ce match contre Marseille, cette altercation. Et j'ai l'impression que là, le groupe a explosé parce que depuis ce moment-là, on entend beaucoup dans la communication, notamment de Baïs et Koscielny, nous dire on n'est pas les meilleurs amis du monde, il n'y a pas que des bons mecs dans ce groupe. On entend beaucoup les joueurs nous expliquer que il n'y a pas d'unité finalement, que, entre guillemets, les uns derrière les autres, ils se crachent dessus, quoi, qu'il y en a qui n'aiment vraiment pas. On peut aussi, après là, je pars dans une, je pars un peu loin, mais on peut le voir aussi dans les opérations de communication du club, avec des partenaires, notamment des marques de Paris, voir dans les vidéos comment ça se passe. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même en fait qui sont lisibles dans le comportement des joueurs sur le terrain comme hier, mais aussi en dehors, notamment dans les conférences de presse. Et ce qu'on constate, et Lassina il l'a dit très bien, c'est qu'aujourd'hui c'est un puzzle, mais c'est un puzzle qu'on ne peut plus rassembler. C'est terminé. Donc faut vraiment continuer à croiser les doigts. S'il vous plaît, Nîmes, s'il te plaît, Antoine Comboiré, sauve-nous. Voilà, continue à faire ce que tu sais faire de mieux avec le FC Nantes, savoir faire descendre une équipe. Je pense que Nîmes descendra. Ben, c'est vrai, Antoine Comboiré, quand même, 4 dernières saisons en Ligue 1, c'est 4 descentes. Excuse-moi, Nico, mais en termes de régularité, il n'y a pas mieux comme entraîneur français. Hein. Ouais, mais Et, il prend en et... difficulté aussi. Il prend les clubs en Et... difficulté aussi. Oui, il les met aussi souvent. Là, pour le coup, oui, mais il les met souvent en difficulté. Et non, mais ce que je veux dire, et Nîmes, il y a une faiblesse. Alors que Nîmes, ce qu'on dit, c'est l'inverse de Bordeaux. Par exemple, Nîmes, tu le vois hier, c'est faible. Donc c'est pour ça que la faiblesse fait que. Mais dans l'attitude, purée, les mecs, ils ont la rage, quoi. Les mecs, ils Il y a prennent beaucoup un d'occasions but. sur le match, ouais. Ouais, Les contre mecs, ils prennent Saint-Étienne, un ouais, but, ça ils ont la t'est. rage. Tu sens que on va y aller ensemble. Alors, encore une fois, le niveau fait qu'ils n'y arrivent pas. Mais tu sens qu'ils ont envie. Nous, au bout du troisième but qu'on avait pris hier en 25 minutes, on n'avait toujours pas ce sentiment, même à moitié, que les joueurs étaient un petit peu enragés, un petit peu piqués, un petit peu vexés, qu'ils avaient envie de faire quelque chose, quoi. Un petit coucou de la Martinique, voilà Letty Fonté qui nous fait un coucou. On salue la Côte d'Ivoire aussi, puisqu'il y a la Ah oui. Sina qui est là. Et voilà, et puis on a Jean-Michaël Seri, hein, c'est un compatriote. Absolument, c'est ça. Ouais, qui est. Est-ce que tu as échangé avec lui un petit peu ou pas? J'ai été il y a 2 semaines, non, voilà, une semaine après qu'il soit arrivé, j'ai été même voyant et je l'ai rencontré personnellement, voilà, pour lui souhaiter la bienvenue au sein du club. Je pense que j'aurais voulu qu'effectivement il arrive à des moments plus joyeux, avec plus de résultats, mais malheureusement, ce n'est pas le cas.
J'en profite pour saluer les trois nouveaux socios de Web Girondin TV, Julien, Nasser et Florian. Et on a une question de Patrick, qui est socio de cette web télé. Puisqu'on parlait leader, il voulait te poser une question, Lassina. Il dit, ça faisait quoi de jouer à côté de Michel Pavon? Je dis, Michel à la fois était un leader charismatique. C'est ce qu'il faudrait faire la différence. Il y a le leader technique, celui qui sur le terrain est capable de changer, d'apporter un peu, d'être le maestro sur le prêt. Et le leader charismatique, c'est quelqu'un qui est capable de remonter la troupe, qui est capable de fédérer autour de lui. Moi, c'était très plaisant de jouer auprès de Michel, hein, sur les 3-4 années qu'on a passées ensemble. Surtout, un leader, ce n'est pas quelqu'un de soliste. Un leader, c'est quelqu'un qui a des sergents. Je pense que nous, ce qui faisait la force de notre époque, à la fois Michel Pavon était le leader, mais il était porté par des gens comme moi, et François Grenet, comme Lilian Laslande. Voilà, ces personnes pouvaient aussi, à un certain moment ou un autre, dire à Michel, « Ok, tu veux que ton message passe ? Ben, nous, on fera passer ton message. » Je pense que c'est ce fil conducteur aujourd'hui qui n'est pas, à mon sens, au sein du vestiaire. Parce qu'une seule personne ne peut pas porter un vestiaire. Il est obligé d'avoir des sergents, ceux qui sont en accord avec quelquefois ce qu'il dit et qui peuvent être aussi en désaccord avec ce qu'il dit et qui font de sorte à ce que le message soit passé auprès des jeunes et que les jeunes soient attentifs à ce message-là. Une réaction, les gars, à ça, à ce qui vient d'être dit par Lassina? Comment dire, en fait, moi, c'est un problème que je vois dans tous les cas de base dans ce club. En début d'année, enfin l'année dernière, on avait un leader avec plusieurs leaders sur les lignes, mais on avait un leader qui était là à chaque fois pour râler de base, pour un peu mettre de la voix dans le vestiaire. Cette année, on a changé ce leader-là, on a voulu en mettre un autre qui, bah, malgré tout son palmarès, est quand même, on le voit match après match, timide. Il parle pas assez, même au niveau des réactions après match. Je suis désolé, mais Laurent Koscielny, c'est à chaque fois, c'est limite, il excuse l'équipe. C'est pas de la timidité pour moi, Conan. Hein. C'est pas de la timidité pour moi, c'est presque, j'ai envie de te dire, c'est presque un manque d'implication. Et c'est d'ailleurs ce que je lui reproche sur le terrain, parce que pour moi, c'est pas une question de timidité. Parce que, et même ce que tu dis, Koscielny était déjà un leader l'an dernier, Costil en fait. C'est juste qu'ils avaient décidé de ne pas changer le brassard parce que Costil l'avait, que voilà, et que ça allait, que ça allait créer des, entre guillemets, ça pouvait créer une tension. Ce que Longuepé lui n'a même pas eu, enfin, ce que s'il a demandé la chose inverse à Gasset quand il arrivait, c'est quand même, quand on est de l'extérieur, on se dit c'est quand même pour foutre la merde, quoi. C'est, enfin, ou en tout cas, ou la démarche en tout cas est très bien, enfin, c'est vers ça que ça se dirige. Et moi, sincèrement, encore une fois, j'ai vraiment l'impression que c'est un manque d'implication. Parce que Bayce, on a déjà vu que c'était un vrai leader à Nice, notamment sous le Nice de Lucien Favre. Koscielny, on a déjà vu que c'était un vrai leader avec Arsenal en première ligue, en équipe de France. Donc, je veux dire, à un moment donné, ces mecs-là, s'ils ne sont pas concernés, c'est plus qu'ils n'en ont rien à faire ou alors que la situation ne leur tient pas vraiment à cœur, plutôt que des questions de caractère. Parce que ces mecs-là, ils en ont du caractère. Et quand il faut aller en conf de presse pour balancer sur leur coéquipier, ils ont du caractère, là, bizarrement. Ils ne sont pas si timides. Ouais, Moi, ce que ça m'inspire, ce que vient de dire Lassina, ce que tu as dit, c'est que finalement, c'est un travail d'équipe, c'est une cohésion. Il faut un leader qui passe le message à d'autres, à ses lieutenants, comme toi, tu en faisais partie. D'accord. Et ses lieutenants le diffusent à l'équipe. Et ce qui fait que finalement, sur 14, 15, 16, 17 joueurs, ben, tout le monde est obligé de marcher droit, entre guillemets, parce que sinon, tu te fais reprendre. Quoi. Absolument, c'est ça. Et c'est une question de management aussi. Est-ce que c'est Eli Bop qui a instauré ça ou est-ce que c'est les joueurs qui étaient plus moteurs? Ah non, c'est la force du caractère du vestiaire, déjà, des hommes qui composent le vestiaire. Je pense que soit on a à la fois le naturel et qu'effectivement, ben, à un certain moment, les objectifs qu'on a et que le fait de l'amitié aussi que vous créez entre vous. Parce que si vous êtes beaucoup plus amis, si vous êtes capable après chaque match d'aller dîner ensemble, de fédérer quelque chose autour… Je pense que naturellement, les choses se mettent en place. Mais par contre, après le match, si tout le monde s'en va comme des voleurs et que personne ne mange ensemble, personne, il n'y a pas des choses qui sont partagées entre vous, en dehors du fait que vous vous entraînez et que vous jouez ensemble, ben effectivement, ben les choses deviennent compliquées. Je prends les anecdotes aussi simples. Quand pendant un match, il y a un bon résultat et que vous allez dîner ensemble,
ça renforce les choses. Mais par contre, il peut y avoir pendant un match qu'il y ait des discussions, des choses qui se sont pas bien passées sur le terrain. C'est aussi le temps de se dîner ensemble que vous pouvez rapidement en parler et pour passer à autre chose. Si effectivement, il y a des altercations, comme ça peut arriver, des incompréhensions pendant le match, et qu'effectivement, après le match, chacun part chez lui, et que le lendemain, vous revenez sans qu'il y ait quand même cette chose qui soit désamorcée rapidement, ça peut créer des tensions qui peuvent être continuelles. Il faut vraiment faire la part des choses aujourd'hui. Est-ce que cette équipe vit bien ensemble? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils ont su fédérer quelque chose ensemble? Je ne crois pas. Et ça, de bout en bout, ça amène à ces situations très compliquées. Allez, oui, tu voulais réagir, Conan, sur le chat, Non, peut-être il y a non, des messages. j'allais dire, c'est ce qui est relayé de toute façon depuis le début. Le problème, il est certes pas que à l'équipe en elle-même. On tapotant sur les dirigeants, sur les directeurs sportifs, sur l'entraîneur, que sur les joueurs. Il y en a aucun qui est innocent dans le bateau, comme on dit. Tout le monde est coupable. Mais la base, elle est là. Je veux dire, ayant fait du foot amateur, comme beaucoup sur le chat aussi en ont fait, une équipe, si elle n'est pas capable de pouvoir être un seul et même groupe, ça ira pas. Même s'il y a deux groupes déjà, il peut commencer à y avoir des problèmes. Donc, et là, il n'y en a Allez, pas que deux. les notes. On met des notes, Lassina. Alors, je ne sais pas si quand tu étais joueur, tu regardais les notes dans l'équipe ou pas que tu avais. Oui, quelquefois je regardais les notes parce que c'est tout à fait normal, hein, c'est flatteur, notre ego, quand tu te relèves après un match, tu te réveilles et que tu as un 6 ou un 7, je pense que c'est flatteur, ça te donne envie encore d'être meilleur la semaine suivante. Bon, ben là, on va pas flatter beaucoup d'ego. Bon, Alors, oui. là, ils vont pas être contents. Hein. C'est ce que Ils ne j'avais. regardent pas. C'est ce que j'allais te demander, Lassina. Est-ce que à ton époque, il y avait des notes aussi basses? Parce que là, c'est. Alors, nous, on n'est pas Non, l'équipe. Hein. En toute vérité, non. En toute Ah, ben vérité, oui, non. Mais... non. Ça sert Eh, mais aussi bien sûr. sur des années, des meilleures années. Ça fait que l'implication, à la fois du fait qu'on gagnait des matchs, une victoire déjà, ça permet d'avoir, je pense, une note de plus, un de plus, que des défaites quand les défaites sont successives, comme on le vit actuellement au niveau du club. Est-ce que, alors, dernière question sur les notes, j'en profite, hein, messieurs, vous pouvez poser vos questions aussi, hein. Mais est-ce que les notes, vous échangez entre joueurs, t'as vu, j'ai eu cette note, c'est tel journaliste qui m'a mis cette note, quel enfoiré, entre guillemets, voilà. Ah ben non, c'est Non, vrai, ça c'est une réalité. Quand bon. on regarde l'équipe ou quand on regarde le Sud-Ouest, qu'on voit des notes, c'est toujours quelque chose de quand même très complexe et difficile parce que par moment on a l'impression d'avoir fait un très très bon match. On se retrouve avec une note qui n'est pas à la hauteur. Ça, c'est le jugement des journalistes, mais il faut savoir l'accepter. Et surtout, quand on a le copain, parce qu'aussi, on marche dans une équipe, c'est un collectif, mais par contre, on regarde aussi la performance de celui qui est à côté de toi. Et quand tu vois que tu prétends être meilleur, que lui, il a une meilleure note que toi, il y a une petite frustration. Mais on ne s'arrête pas à ça, parce que l'essentiel, c'est d'être performant à tous les matchs et de gagner des matchs. Eh oui. Allez, C'est le côté j'affiche. compétiteur. Oui, c'est Absolument. ça. Je raffiche les notes. Alors, les notes sont sur 10, bien sûr. On est dans une spirale négative. Edson Mecher avec son match catastrophique à 1,3 sur 10. Je crois que c'est la première fois où on a des notes aussi basses. Wang, 4,3 qui se bat malgré tout. Adli, 4. Je ne sais pas si vous souhaitez commenter, messieurs. Gino, non, Non, mais Joe. On franchement, des passe. notes. Les notes se commandent d'elles-mêmes, hein. Ouais, Voilà, bon, c'est après. Hein. logique. C'est logique. Hein. Kossiani. Dans le jeu. Hein? Oui, Lassina, vas-y. Oui, les notes, moi je pense que les notes reflètent effectivement, ce n'est pas les notes qu'on donne pour pouvoir sanctionner, c'est des notes en fonction des prestations des joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, aucun de ces joueurs-là ne doit être capable de dire qu'il a eu une mauvaise note parce que c'est vraiment ne pas respecter encore le travail de ceux qui les notent parce qu'ils ne les notent pas pour leur donner de mauvaises notes. Je pense que quand on donne de notes à des joueurs, la satisfaction, c'est de se dire il a fait une prestation à la hauteur, il faudra que je lui donne ce qu'il faut. Voilà. Allez, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce match? On continue, on passe à Lassina. On Donc, passe à autre chose, ouais. on Ouais, passe à quelque ouais, chose de plus intéressant. Déjà, sur aujourd'hui, ce que tu fais, et après, on va parler du passé, tu es
coprésident du football club de Saint-Médard-en-Jalles. C'est un club où tu es depuis un petit moment maintenant. Ah oui, je pense pour l'année du titre, j'étais déjà, je suis né à Saint-Médard en 2000, j'ai acheté à 2000 à Saint-Médard, je ne suis plus parti de Saint-Médard, même avec mes transferts, que ce soit à Auxerre et à l'étranger, j'ai toujours gardé la maison que j'avais à Saint-Médard, c'était fort bien naturel pour moi quand je suis revenu à Bordeaux de prendre possession de l'endroit où j'étais et surtout aujourd'hui d'être co-président de cette commune en tant que président du sportif puisqu'on a R1. Mon souhait aussi c'était d'apporter mon expérience, je suis président et manager général. Et je m'occupe aussi à plein temps de U15, puisque les mercredis, les samedis, je suis sur le pré avec eux. J'essaie de donner effectivement ce que le football m'a apporté, c'est très important, avec une vraie passion aujourd'hui. Je suis aussi content de passer une heure, voire deux heures avec ces jeunes-là, parce que c'est ça, le football professionnel ne serait pas professionnel s'il n'y avait pas des amateurs. Comme je vois les gamins à 6 ans, à 7 ans mordus du foot, avoir aujourd'hui ce que nous a permis, et moi personnellement, je parle de mon histoire, j'ai été professionnel parce que quand j'étais en Afrique, je regardais à la fois la Coupe d'Europe, les Marius Trésor et autres. Cela m'a donné une certaine envie de réussir et de faire de ça ma profession. Si je peux donner un peu de mon temps à ces clubs amateurs Saint-Médard, avec un projet bien concret, avec un vrai partenaire qui est la mairie de Saint-Médard, je pense que l'objectif que je me suis fixé sera un très, très bon objectif à atteindre. Faire de sorte que dans les 3 années, on puisse avoir une accession, c'est-à-dire aller en national 3. Bon, ben c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est un beau projet avec Arnaud Garnier, qui est le co-président. Absolument, avec Arnaud Garnier, le co-président qui vraiment, je pense qu'on a une vraie complémentarité avec Arnaud. Il est le co-président chargé de l'administratif et des finances. Même pas plus tard que samedi, on a eu l'assemblée, on a eu encore un conseil d'administration pour le club. On s'investit, on fait de sorte, vraiment des bénévoles qui sont là, qui apportent leur pierre à l'édifice pour que vraiment le football amateur, je dis encore, le football professionnel est professionnel parce qu'il y a des jeunes qui commencent toujours en amateur avant d'être professionnels. Mmh. Allez, messieurs, j'affiche. Oui, vas-y, Gino. Ouais, je voulais lui demander à la Sénat s'il y avait des liens justement avec les Girondins, comme lui, il est dans un club amateur. Est-ce que... Je vous dis sincèrement des liens, je sais avec celui qui est chargé de la formation des plus jeunes, hein, Cédric Brady, j'essaie de faire des propositions parce que ça me paraît important et essentiel aussi. Ces médailles à proximité, je pense qu'on a une vraie expérience, les féminines avant qu'ils aillent de l'autre côté, je jouais il y a 2 ans sur le stade des Saint-Médard, le stade municipal des Saint-Médard en Jalles, je fais des rencontres avec une vraie cramé. J'ai ça aussi à mon niveau et ça c'est quelque chose, je vous mets au parfum puisque j'ai demandé directement avec une approche avec le président Longuepé pour voir comment on peut mettre en lumière ceux qui ont porté les anciens, moi pour moi anciens ça fait cliché, je dirais les ex-professionnels qui sont avec une particularité pour les Girondins de Bordeaux, énormément à Bordeaux et qui ont la possibilité, qui ont envie aussi d'apporter quelque chose à ce club-là. Voilà, je me ferai écho vraiment de ces anciens-là pour qu'à un certain moment, qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice à ce beau club, et puisque effectivement, bon, on ne peut pas être nombreux ici sans être capable d'apporter cela. Mais justement, il y avait une question d'Antoine qui est socio, qui voulait poser cette question. C'était, est-ce qu'en tant qu'ancien joueur, vous êtes mis à contribution par le club, les Girondins, pour témoigner de l'histoire auprès des jeunes ou des joueurs professionnels aujourd'hui? Non, c'est pas fait. C'est une question d'organisation. Je pense qu'à nous aussi, les anciens, de forcer le verrou quelque part. Je pense qu'ils ont tellement de choses à faire. Si nous, de notre côté, on n'essaie pas de forcer le verrou, moi, je vous dis très naturellement, quand j'ai demandé le rendez-vous au président Longuepé, le rendez-vous m'a été fixé. J'ai fait le rendez-vous avec Lilian Lasland. On est 3 vraiment à vouloir porter le projet, Lilian, François et moi-même. Sans oublier, effectivement, qu'il y a une association déjà des anciens Girondins de Bordeaux, faisant de sorte à ce que vraiment il y ait cette fédération entre cette association et ceux qui ont porté le maillot des Girondins de Bordeaux pour qu'on puisse apporter quelque chose et qu'à un certain moment aussi qu'on ait des voix qui soient écoutées au sein du club. Allez, j'affiche Lassina. Alors j'ai mis quelques chiffres de son parcours
Alors, Samuel, 99, t'étais trop jeune. Un peu, ouais. Un peu, ouais. Vous étiez trop jeune. Moi, j'étais abonné. Donc, ouais. Alors, pour le parcours, donc, avant d'arriver à Bordeaux, bon, je vais faire rapidement, hein, mais c'est FC Bourges, Perpignan et les Girondins de Bordeaux en 97. Un titre de champion de France, finaliste du trophée des champions. J'ai découvert que tu as été champion d'Angleterre avec Portsmouth en deuxième division. Absolument. Et, ouais, finaliste de la CAN en 98. 124 matchs avec Bordeaux et 3 buts. Messieurs, je commence par Gino, est-ce qu'il y a ou Joe, un souvenir de la Sina? Moi, je vais te dire Bordeaux-Lyon. Je pense comme beaucoup. Le magnifique but du gauche qui nous permet d'aller au parc pour jouer le titre. Parce qu'il faut se rappeler que ce match Bordeaux-Lyon, c'est l'avant-dernière journée du championnat 1998-1999. On est au coude à coude avec Marseille toute la saison. C'est un mano à mano exceptionnel. Une saison extraordinaire. Et Lyon est troisième. Et Lyon est troisième, une super équipe qui est en train de monter avec le président Olas, et on le verra dans les années d'après. Et grâce à la Sina qui nous met un but ben, magnifique, je crois que c'est à 25 mètres, 20-25 mètres. Enfin, 20, ah, 25 25 mètres, ouais. C'est ça. Ouais. Et il se finit dans la lucarne de Grégory Coupé. Donc, un moment exceptionnel. Je te revois danser avec Will Tord, la danse tous les deux. Voilà. Beaucoup de complicité dans cette équipe à l'époque et ça nous a permis voilà, d'être aussi champion de France. Ce but. Mm. Ouais. Vous faisiez beaucoup de bringues, beaucoup de fêtes? Non, je pense que c'est à l'époque où... Il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire. Non, en non, fait. Mais Faïn Bounou était trop jeune aussi. C'est pour ça. Faïn Bounou était bébé. Non, à l'époque, vraiment à l'époque, on avait quand même instauré la participation de tous les joueurs parce que c'est ce qui est très intéressant à l'époque, c'est qu'on avait mis en place une idée qui pouvait nous permettre... de faire vivre le vestiaire. On demandait à ce que, sur des primes de match, puisqu'on avait 16 joueurs qui étaient souvent alignés par Eddie Bob, et qu'on était concerné par 23 joueurs ou voire 21 joueurs qui font vraiment le statut de l'équipe. Nous, on faisait de sorte à ce que les primes de match, qu'on enlève quelques, je dirais les chiffres, je ne dirais pas les chiffres, et que ces chiffres-là soient réversés aux autres joueurs qui ne faisaient pas partie déjà des 16 qui étaient alignés. Et ça, ça a été comme ça toute l'année. Et ce qui faisait que naturellement, même ceux qui ne faisaient pas partie des 16 se sentaient concernés par le résultat de l'équipe. Et ça, c'était formidable d'avoir cette idée et aussi de faire de sorte à ce que, ben, après chaque match, ce n'était pas les 16 simplement qui allaient dîner ensemble, c'était l'effectif des 23 qui étaient concernés, qui dînaient ensemble après chaque match. Et c'est ce qui nous a permis de vraiment créer ce nouveau fédérateur, ce lien fort qui était entre nous. Je prends là une anecdote, c'est qu'on perd contre Monaco 1-0 à 4 journées de la fin avant notre déplacement à Lens. Là où Marseille prend 2 points de plus que nous, où on s'est dit on va à Lens, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Le lendemain de la défaite contre Monaco, comme tous après les matchs, Elie Bob il rentre pour nous donner le programme de l'entraînement. On s'est décidé entre nous. Au moment où Eli perd son âme, c'est Dominique Dropsy qui venait toquer toujours à la porte du vestiaire pour signaler la sortie pour qu'on aille sur le terrain. On a demandé à Dominique, non, qui dit à Eli qu'il n'y aura pas aujourd'hui des discours de préparation de l'entraînement. On a pris 30 minutes entre nous pour faire vraiment une vraie rétrospection de ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait qu'on fasse pour les 3 semaines qui nous restaient pour aller chercher ces titres-là. Individuellement, chacun a pris la parole. On a dit à Lilian, ben, Lilian, il faudrait maintenant qu'on ne te voit plus dehors. Voilà, les 3 semaines. On ne veut plus qu'on nous dise que Lilian t'a vu sur les quais. Sylvain, c'est pareil. Ali, c'est pareil. Chacun, on me dit, moi, la Sina, habituellement, ben, après le match, aux entraînements le jeudi, tu faisais des frappes pour t'exercer devant le but. Tu n'en fais plus. Voilà, chacun était capable de dire des mots justes qui a été accepté les uns les autres, qui nous a permis d'aller à Lens. De faire cette victoire qui, pour nous, est la victoire qui nous permet de croire que le titre, on pouvait l'avoir. Puisqu'on était mené, on gagne 4-2 là-bas, ça nous permet de nous mettre encore en scène pour la fin de la saison. But de Viltord. Et Marseille perd à Paris ce même soir. Absolument, ouais. C'est ça. C'est extraordinaire, là, extraordinaire ce qu'il vient de raconter. C'est extraordinaire. La Sina, tu es en train de nous expliquer que donc un groupe est capable de se remettre en question, de s'expliquer, de communiquer.
et de pouvoir redémarrer pour aller se fixer les objectifs. Absolument. Mais là, Samuel, il parle Non, mais là, Samuel, il parle d'un groupe d'hommes et de vrais professionnels. Du talent et des grands professionnels. Mais c'est juste pour dire que c'est pas impossible finalement. C'est juste une question. Non, c'est pas impossible. C'est juste une question d'homme. C'est une question d'homme. À un certain moment, s'il faut crever l'abcès, à un certain moment, que les mecs soient capables. J'ai dit tout à l'heure quelque chose que probablement vous n'avez pas tenu compte. C'est il faut pas arriver juste à l'extrême, mais par moment, il faut être capable de mettre front contre front, de se dire les choses comme elles doivent être dites. Il faut être capable de le dire. Si dans le vestiaire, les gens acceptent tout, le vestiaire ne peut pas aller dans le bon sens. Mais c'est pour ça qu'on voit que les équipes qui gagnent, c'est quand il y a des remises en question. Je prends le basket avec Tony Parker, il a réussi à les faire gagner au basket parce qu'il y avait des mises au point, quoi. Les gars, ils se disent les choses, quoi. C'est la relation humaine, hein. Si tu veux que ça fonctionne dans un groupe, il faut aussi accepter la critique. Il faut avoir du courage. Il faut de l'humilité, il faut être humble. Voilà. Oui. Tout à fait. Humilité, courage. Ben c'est pas mal comme souvenir, ça. Mais il y a ce but face à Lyon. Joe, je sais pas, t'avais un autre souvenir. Quel type de joueur c'était? Tu as le souvenir de ce du type de joueur? Moi, je m'en rappelle bien si t'étais trop jeune. Moi, Joe. Oui, non. Moi, je me rappelle, c'était un joueur costaud qui travaillait beaucoup dans la récupération. Pas forcément le plus technique de l'équipe, mais qui effectivement avait une grosse frappe de balle, surtout. Quand c'était cadré, généralement, ça faisait mal. Donc le but contre Lyon, bien évidemment. Mais moi, ce que je me rappelle surtout de la Sénat Diabaté, c'était pas forcément le joueur au départ de chaque saison qui était forcément titulaire. Notamment après le titre, on recrute Jean-Christophe Rouvière, ouais. qui fait un début de saison qui était totalement à côté de la plaque. On sentait que le système, ce joueur dans ce système-là, ça matchait pas du tout. La Sénat revient derrière, justement, et après il reprend sa place, et là, ça commence à aller beaucoup mieux. Donc, je sais pas si tu peux en parler de la Sénat. Moi, j'ai toujours eu cette sensation que tu avais été un joueur un petit peu sous-côté au départ. Vraiment, je vais vous expliquer cette histoire aujourd'hui en parlant de cette histoire. Oui, quand on est champion de France, surtout quand j'ai été champion de France en 99, vous vous souvenez, Peter Luxien qui part à Marseille, je suis arrivé comme un complément d'effectif, j'arrive à faire ma place quand même. Je vous raconte une petite anecdote. Mon premier match de titularisation, c'était contre le Havre. On gagne 3-0 à domicile. Le vendredi, Guy Stéphane décide de me faire titulaire déjà dans la composition de l'équipe sur la mise en place. Peter Luxien, qui avait 17 ans, parce que sachant qu'il n'allait pas être commencé le match, sort des terrains, de l'entraînement, pour ne pas accepter que je commence le match et qu'il soit remplaçant. Aïe, aïe, aïe. Dingue. Incroyable. Voilà. Guy Stéphane me fait jouer. Non, c'était pas. C'est contre Lens. C'est contre Lens. Mon premier match, c'était contre le Havre, contre titulaire, et c'était contre Lens. Et ce match-là, on gagne 3-0, et c'est moi qui marque le premier but. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'entraîneur me fait confiance, je commence le match, et je donne la satisfaction à l'entraîneur. Un joueur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand Rouvière arrive, effectivement, on est champion de France, il y a une révalorisation parce que de Yohan Mikou, de Michel Pavon, parce qu'on estime qu'ils ont porté l'équipe comme moi, j'avais porté l'équipe aussi, pour pouvoir permettre à passer la saison suivante à l'étage supérieur. Moi, personnellement, je n'avais pas été révalorisé pour des raisons que je ne comprenais pas. J'ai été voir le président Jean-Louis Triaud, je lui ai dit, je ne comprends pas que ceux qui ont été décisifs comme moi ont été révalorisés, pourquoi pas moi. Surtout, Eli Bop me fait comprendre que Rouvière allait arriver. Je vais vous dire très clairement, j'ai été voir Eli Bop dans les vestiaires et je lui ai dit la chose suivante. Il peut vous en témoigner. J'ai dit, Eli, Rouvière, vous le faites venir, c'est moi qui jouerai. Et j'ai été très clair avec lui. J'ai été, pas parce que j'étais orgueilleux, mais simplement pour lui faire comprendre que moi, étant le joueur qui avait été champion de France, connaissant que j'allais mettre mes objectifs beaucoup plus haut que l'année du titre, qu'il n'y avait pas de raison qu'un joueur vienne et qu'il me reprenne cette place-là que j'avais mérité humblement. Et ça s'est avéré vrai. Les matchs suivants qui ont suivi, j'ai récupéré ma place et pour finir la saison. Extraordinaire. Énorme. Énorme. Ils sont contents sur le chat d'entendre ça, Lassina. Merci de partager ça avec nous. On sent le joueur qui en veut, en fait, écoute, j'ai de la concurrence, c'est normal, mais je vais quand même gratter ma place et puis c'est tout. Je vais être le patron du milieu et puis c'est tout. Donc ça, c'est un discours qui, effectivement, malgré le fait d'être champion de France.
en plus, parce que tu es oui, c'est ça, mais... si tu peux prendre la tête et te dire ah, non, non, voilà, et pas travailler, et autres, on en voit pas mal de joueurs comme ça. Et c'est puis ce on en a connu. La force du groupe. Parce que, parce que Trio, il a appliqué la CIDA, la stratégie inverse, 10 ans après, quand il gagne oui. la Ligue 1. Il a re-signé tout le monde. Il a mis les salaires 3 ou 4 fois sur le prix du marché à tout le monde. Et pendant 15 ans, pendant 10 ans, c'est tapé les mecs, voire 15. Non, ça s'est arrêté il y a 2-3 ans, mais. Pendant 10 ans, c'est tapé certains joueurs qui, contrairement à toi, n'avaient plus envie d'aller chercher se battre pour leur place parce que la soupe était tellement bonne, ils n'en avaient plus rien à faire. Oui, après, tu parles après le titre de 2009, hein, tu parles. C'est ça. C'est ça. Bon, il reste une question qui subsiste quand même sur le chat qui a été posée 3 fois. Y en a qui aimeraient savoir qui de toi, Lassina, ou de Pavon payait la dernière bière après le match. Moi de toute manière, qui était revalorisé en premier, du coup, voilà, c'est ça. Toute ma carrière, j'ai pas bu une goutte d'alcool, et franchement, par conviction, quand même religieuse, j'ai jamais bu. Mais par contre, cela m'empêchait pas de participer à des événements que mes copains organisaient parce qu'il fallait être présent. Et c'était aussi de montrer à mes copains qu'effectivement, ben, je suis solidaire de ce qu'on doit mettre en place pour que le groupe soit plus fort et plus efficace. Voilà. On faisait, sans oublier, avec Ali Benarbière, on faisait des cinés ensemble, on faisait des dîners ensemble, on faisait des sorties ensemble. On faisait de sorte, effectivement, à ce que ben, cette complicité qu'on avait sur le terrain, qu'on puisse le retrouver à l'extérieur du terrain. Ce match au PSG à Paris, pour le dernier, t'es titulaire ? Je suis titulaire, oui. Titulaire, oui. Il finit pas décisif, je crois, non ? Sur le deuxième but. Oui, sur le deuxième but, à Sylvain Victor. Est-ce que t'as douté un moment ou focus sur l'objectif jusqu'à la dernière minute ? Je pense, pour moi, c'était le match le plus difficile. On avait l'impression, nous, d'être libérés, parce qu'il fallait être libéré de la tête et de se dire, on va à Paris, on a nos destins dans nos mains, on gagne et ça nous permettra d'être champion. Mais par contre, la réalité en est autre quand on est sur le terrain, parce que le football, on sait qu'il y a les incertitudes et on a vu le scénario, comment le scénario s'est mis en place et surtout, j'avais l'impression, et moi, il y avait cette atmosphère pesante sur nous, sur le terrain, de dire on joue le titre sur un seul match. Et surtout, quand tu joues le titre à domicile, c'est complètement différent. Tu as ton public, tu as à la fois une autre ferveur d'aller chercher cette victoire qu'on n'avait pas. Et je dirais la chose suivante, parce que moi, je sors, c'est moi qui sors et Pascal Fenounou qui rentre. Ça veut dire qu'à un certain moment, celui qui marque ce but qui nous permet de nous qualifier, probablement, je me dis, si je sortais pas, probablement, c'est moi qui aurais marqué le but. Si je suis un peu plus optimiste. Jusqu'au bout, mais j'ai été très, très ravi pour Pascal, parce que quand je sors et qu'il rentre, il marque ce but libérateur qui nous permet d'avoir ce titre. Je dis à tous les joueurs, j'aimerais qu'on vive le titre d'un champion dans les arrêts de jeu. Je pense qu'il y a. Et c'est indescriptible ce qu'on a vécu à l'instant T lors de ce match. Oui, et toute la ville avait vibré. Hein, c'était incroyable hein, dans Bordeaux. C'est c'était de la folie cette saison. L'Escure, le retour à l'Escure, ça a dû être quelque chose d'exceptionnel. Non et ça aussi, le retour à l'Escure, quand tu arrives et que le stade est plein et que tu vois les parents avec les enfants de 3-4 ans qui. Et certaines personnes qui avaient leur je ne dis pas bébé, mais dans les bras et qui viennent au stade. Je dis la communion, c'est ça la chose la plus belle au niveau du foot. Le partage, être capable de rendre les gens heureux. Je pense qu'il faudrait que ceux qui jouent aujourd'hui, ils se disent qu'effectivement, moi quand je jouais, je vous dis très naturellement, à la fois je jouais pour le boucher, pour la coiffeuse, parce que quand je gagnais, je savais que quand j'allais à la boulangerie, il y avait le sourire pour m'accueillir, le boucher. Il y avait les croissants offerts, etc. Il y a un tout. Vraiment, il y a un tout. Et quand ma femme allait chez la coiffeuse, je savais que vraiment, elle serait bien accueillie, parce que c'est ça ce qui fait vraiment que ce sport-là, au-delà d'être sur le terrain, il y a quelque chose qu'on doit partager avec les autres. Il y a Sophie sur le chat qui dit « Vous aviez, Lassina, une bonne cohésion entre vous. » Et ça, nous, les supporters, on le ressentait dans le stade. Bien sûr. Absolument. Voilà, et c'est vrai. Moi, j'étais dans le stade à 4h du matin. Et il n'y avait pas de sécurité dans le stade. C'est une autre époque. Un truc de c'était ouvert, la mairie avait ouvert.
Et il n'y avait pas du tout de sécurité dans le stade. Et c'est vrai que c'était une autre ambiance, c'était bon enfant et c'était très festif. Il y avait les bandas. Aujourd'hui, on nous parle de sécurité. Tout est aseptisé avec. Aujourd'hui, il n'y aura pas d'irachute. Même sans parler Covid, quoi. Aujourd'hui, le foot a énormément changé à ce niveau-là. C'est surveillé. T'as plus droit à certaines choses. Pour moi, ça a perdu un peu. C'est ce que je voyais en comparaison. Je sais pas ce que vous avez ressenti, vous, même toi, Lassane. Lassina. La langue a fourché, désolé. La Coupe du Monde 98 que l'on a vécue et la Coupe du Monde que l'on a gagnée là en 2020, ça n'a pas du tout été la même effervescence du foot qu'en 98, quoi. Il y a une grosse différence entre les deux. Oui, mais ça s'applique pour. Il y a une personne qui m'a posé cette question il n'y a pas plus tard que quoi, 2 semaines. J'ai répondu à cette question. La première, c'est qu'on organisait la Coupe du Monde chez nous. À domicile, oui. À domicile. Et la deuxième, c'est que c'était une attente depuis des années d'être pas loin de remporter ce trophée et de ne pas être arrivé avec des demi-finales qu'on n'avait pas été au bout. Voilà. Ça nous a permis d'être libérés et d'avoir cet engouement total et festif après la finale. D'autres questions, les gars, avant qu'on passe à l'autre thème. Vas-y, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la remarque aussi entre la distance qu'il y a maintenant, le fossé entre les supporters et les joueurs, et ce que nous disait Lassina, qu'il était connecté justement au boucher, tu vois, à la boulangerie. Qui représentait sa vie. C'est très important. Il représentait sa vie. C'est très important parce qu'on a l'impression que des fois, les joueurs sont déconnectés. Alors, ce n'est pas tout le temps vrai. Hein. Je suis sûr qu'il y a des joueurs qui sont… Mais le club fait aussi en sorte qu'ils soient déconnectés des supporters. Et ça, c'est aussi une des fautes graves du club et de la direction, d'avoir déconnecté ces joueurs des supporters. Et ce n'est pas anodin ce qui se passe aussi à présent. Alors qu'on se sentait très connecté avec votre groupe, tu vois. C'est ce que disait la supportrice. Nous, on était vraiment hyper attachés à votre équipe et à votre groupe. J'ajouterai juste une chose sur ça. Nous, à notre époque, on n'était pas… Ah, on ne t'entend plus. Ah, on ne t'entend plus. À notre époque… Ah, voilà, c'est bon. À notre c'est époque, bon. Je disais, on n'était pas bunkerisé. Je me souviens toujours, il y avait deux jumeaux qui venaient. Il y a un appel en même temps. Ouais, je pense qu'il a un appel en même temps. Ouais. Non, mais il va se reconnecter. Voilà, c'est bon. Je me suis reconnecté. Je disais qu'on n'était pas bunkerisé et que pendant ces périodes-là, effectivement, les gens pouvaient venir à proximité et voir les entraînements et faire de sorte à ce qu'on ait des échanges avec les personnes qui venaient voir les entraînements. Parce qu'il faudrait qu'on ait cette particularité à Bordeaux. On a un club famille, même si certains pensent que c'est révolu de parler de club famille, il faudrait qu'à un certain moment, ce qui fait cette valeur des Girondins de Bordeaux, d'avoir la possibilité que les supporters viennent au plus près, pas parce qu'il y a la crise sanitaire, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un cas aujourd'hui très spécial, mais par contre, quand cette crise sera derrière nous, il faudrait que, je ne dis pas que c'est les dirigeants d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui héritent du passé parce qu'à un certain moment, si on doit parler effectivement des choses qui n'ont pas été bien faites du temps d'M6 jusqu'à présent, je pense qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas été bien faites, qui auraient pu être mieux faites pour nous permettre d'être dans les meilleures conditions pour être aujourd'hui et un club des trois du championnat de France. Quand on a le casting d'un stade comme on a aujourd'hui, que pendant 2015, on a eu ce nouveau stade, qu'on n'a pas été capable de faire venir des joueurs de classe internationale pour permettre aux gens de venir les voir, quitte à ce qu'on se trompe. Mais ça, c'était des choses à mettre en place. C'était des choses parce qu'on avait la possibilité de faire venir ces joueurs-là et de nous permettre de dire, voilà, on est des grands, on veut rester parmi les grands. Moi, je souscris complètement à ça. Et les jumeaux, sur le chat, il y en a qui connaissent les jumeaux à la casquette. Hein, les jumeaux à la casquette, ils étaient toujours présents à l'entraînement. Ils étaient capables de nous indexer, de nous regarder de temps en temps avec un air malin, de dire « Ah, cet entraînement aujourd'hui, je ne pensais pas que tu étais en grande forme. » Et c'était des discussions bon enfant avec des joueurs.
Effectivement, et ça, effectivement, c'est des choses. Le joueur qui pouvait se remettre en question parce que le jumeau en sortant du terrain te disait, ben, cet entraînement, je pense que tu aurais pu faire beaucoup mieux que ça. Avec un regard. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus, là, c'est là, pour la simple bonne raison aujourd'hui que ce qui intéresse le fan de football, ce n'est plus le club, c'est le joueur. Aujourd'hui, tu C'est es fan d'un dommage. joueur. Ouais, Tu es fan d'un joueur, tu n'es plus fan d'un club. Et ça, mais c'est le club aussi qui l'a voulu, ça. bien sûr, Oui. Ouais, t'as plus accès forcément au club. Ah, T'as plus accès attention, forcément au joueur et tout. personne, Gino. C'est jamais réellement la faute du supporter, parce que le supporter, c'est entre guillemets dans le football un consommateur. Donc, il consomme ce qu'on lui offre aussi. Et aujourd'hui, la starification des joueurs fait que bah, tu n'as plus ce sentiment d'appartenance vraiment, puisque nous, on l'a, par exemple. Mais tu vois que chez les gens, même chez les gens, quand ils sont supporters d'un club, même chez des supporters historiques qui sont là depuis 20, 30 ans, bah, tu le remarques, c'est la personnification de ce que tu vas apprécier. C'est un ou deux joueurs que tu vas ressortir. C'est de la bataille finalement. C'est t'opposes les individualités. Tu penses plus au groupe, à l'effectif, à l'entraîneur, à ses joueurs. Tu vas dire, ah ben moi, bah Bordeaux, on le sait, à Bordeaux, par exemple, ça fonctionne beaucoup depuis le début de la saison sur pro anti Ben Arfa. Et c'est un affrontement perpétuel. Et tu t'attaches plus forcément au reste du groupe. Toi, tu ne penses qu'à ton joueur préféré, ou à tes un ou deux joueurs préférés. Et tu es un peu moins attaché à l'équipe. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'avant, moi, j'avais ce sentiment qu'il y avait ce côté famille, ouais. Là, je viens de voir sur YouTube, il n'y a que 55 likes, là, les amis, alors qu'on est presque 250 connectés en tout. Envoyez-moi du like là pour nous encourager en fait... et pour remercier Lacina d'être avec nous là. Allez-y, allez-y. En fait, c'est juste Lacina. Nous, on a l'air de faire pâle figure de ce que je vois à côté. Tu vois, il n'y a plus que Lacina là qui est dans leur bouche et nous, on n'existe plus. Habituellement, il y a toujours Samuel, Gino, ah bah attends. Joe. Ah bah Non, oui, c'est là, fini. Attends. On a disparu. Ah et bah que oui. Lacina. C'est normal. Normal. J'ai vu passer Normal. un Lacina président. Et moi j'ai pas gagné un titre avec les Girondins, hein, Ah, mais moi non plus. moi non plus. Hein. Et lui, il est en tant que titré. supporter, bien sûr que si, les gars. Bien On sûr que était, si, en tant que voilà. supporter, On on a était gagné. quand même Ah, en tant que oh. supporter, on était là. J'étais champion de Bon. France à 14 ans, ça fait 2009, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais au regard. Mais oui. Je dirais au regard mais on des n'est pas acteurs que nous sommes, hein, je pense que c'est très important d'avoir des regards critiques comme vous le faites. Hein. Je pense que ça aussi, ça permet à ce sport et d'avoir une mise en question. C'est très important. C'est très important. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que nous, on est des passionnés, hein, des Girondins et des observateurs du club quotidien. Voilà, en tout cas, merci. Bon, c'est pas fini, hein, il reste encore. Est-ce qu'on fait les autres thèmes? Les autres thèmes, ils sont moins fun que de discuter avec la Sina quand même. Hein. Mais bon, on va les oh. Mais On bon, peut on va faire les comme les joueurs. On peut faire comme les joueurs, continuer à rigoler et pas avoir les vrais soucis. Non, ouais. Et voilà. Oh. Ouh, il est sarcastique aujourd'hui. Il est sarcastique ce soir. Ah bah ça, franchement, ça s'arrête pas de le dire sur le chat. Là, tout le monde trouve ça incroyable de Non. rigoler après le match, mais bon. Est-ce que vous avez une question à la Sina? Moi, j'avais préparé des questions, mais on a quand même déjà pas mal Moi, j'ai une évoqué petite cette question période. juste. Moi, Oui. j'ai une petite question juste. Je sais que la Sina jouait à Perpignan avant d'arriver à Bordeaux en Division 2 à l'époque. Bon, Perpignan, c'est pas le plus grand club de foot de France, mais effectivement, ils étaient montés à ce moment-là en Division 2. Par contre, je sais que vous étiez parti, le club était en relégation administrative, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce que vous avez vécu à Perpignan, ce que vous voyez actuellement au Girondins de Bordeaux par rapport à ça, par rapport au marasme que nous on aperçoit? Est-ce que vous sentez quand même que le danger est proche et que le club, vu la mauvaise gestion, peut malheureusement s'effondrer comme ça? Non, je crois pas. Je crois que Bordeaux, c'est une institution quand même. Hein. Je vais être très clair avec vous. Que ça soit la ville est beaucoup attachée à ce club parce que n'oublions pas que le football est très fédérateur et qu'à Bordeaux, différent, même si il y a aujourd'hui, faut pas l'oublier, l'UBB qui rentre en selle parce que l'UBB, pour ceux qui ne le savent pas, a été un vrai concurrent. Il y a des partenaires des Girondins de Bordeaux qui se sont retrouvés de l'autre côté. Non, je crois que Perpignan, la difficulté de Perpignan, c'est que nous, quand j'étais, et le président avait tout tablé sur 2 ans pour qu'on ait une montée en première ligue. À l'époque, on n'a pas pu avoir, avec des joueurs comme Hippolyte Dambéto, les Despero, les Philippe Chanlot. Il avait fait venir quand même des joueurs qui avaient un certain salaire et ça pouvait continuer sur 1 an, pas sur 2, 3 ans. Voilà les difficultés qu'on avait pu avoir.
Et non, Bordeaux, c'est pas Perpignan. Bordeaux, c'est Bordeaux avec la particularité que Bordeaux, moi je le dis à ceux qui veulent l'entendre, c'est une marque, le Girondins de Bordeaux. Voilà. Voilà, on est vendeur. Aujourd'hui, il faudrait que les supporters continuent à aimer ce club-là parce que ce club a une histoire. Ce club fédère les uns avec les autres. Et cet optimisme, il faut qu'on reste dessus et qu'on fasse de sorte à ce que notre équipe, qu'on aime tous, vous et moi et les supporters, reste en première ligue pour qu'on puisse avoir, je dis, des lendemains beaucoup plus meilleurs que ce qu'on vit aujourd'hui. J'avais une question d'un socio, c'est Fabien qui disait, est-ce que tu as des infos mercato sur les Girondins? Je dirais simplement, quand une équipe est dans cet état comme on est aujourd'hui, c'est de tout faire pour qu'on puisse se sauver. Et dès qu'on aura fini de se sauver, et voilà, de prendre des décisions qui ne seront pas faciles, forcément des décisions faciles. À un certain moment, moi, j'ai été très clair, hein, j'ai dit au président, on ne peut pas faire un bon spectacle avec des acteurs qui sont moyens. Je lui ai dit, quand je l'ai rencontré, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chose suivante, c'est de faire de sorte à ce que les joueurs moyens qu'on a, on se sépare d'eux. Et qu'on essaie d'avoir des frais, faire un nouvel effectif avec des joueurs de qualité et pour pouvoir avoir des résultats de qualité. Et eh bien voilà qui est clair. On va passer au thème suivant. Toujours avec Lassina. La Super fin transition, du d'émission coup. sans transition. Ouais, Non, bonne super transition. transition. Très bonne transition. Oui, Super oui. transition. L'émission se termine à 21h, donc dans 19 minutes. C'était la question qu'on se pose aujourd'hui, mais qu'on est en droit de se poser. Et c'est pas manquer de respect à Jean-Louis Gasset que de dire ça. C'est sur le sportif, comment faire réagir un groupe. C'est faut-il se séparer de Jean-Louis Gasset pour faire un électrochoc dans ce groupe et prendre les points qui restent? Joe, je te donne la parole pour commencer. On t'écoute. Moi, j'ai toujours dit clairement, séparer Jean-Luc Gasset, je ne sais pas si c'est la solution actuellement. Le problème, c'est effectivement ce groupe de joueurs qui n'arrivent pas à s'entendre, à travailler ensemble. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à trouver une quinzaine de joueurs qui arrivent au moins à finir la saison tous ensemble, pour, comme j'ai dit, qu'ils soient au moins professionnels dans ce cadre-là, pour qu'au moins le club soit sauvé. Et voilà. Apparemment, on voit que Long et PH interviennent beaucoup en plus dans les choix, etc., ou dans les prises de décision qui sont parfois même. Absurde, clairement. Donc, même, je me demande si on arriverait quand même à tirer un coach si on faisait partir Gasset, donc il y a juste un printemps. Mais faire partir un coach pour son adjoint, moi, je ne vois pas l'électrochoc vraiment, même si parfois ça marche, mais moi je ne suis pas trop fan de ça. Voilà, est-ce qu'il y a après un coach qui voudrait venir dans cette tempête, dans tout ce qui se passe qui est complètement incontrôlable dans ce club? Je ne suis pas certain que beaucoup accepteraient. On se retrouve avec encore un entraîneur de Combouré, comme le dit Samuel. Combouré, c'est pas, voilà, ce sera pas mieux derrière. Donc, je pense que Sur beaucoup, à de la place de l'électeur. Gasset, auraient déjà lâché. Ouais, ou Domenech. Mais voilà, mais je pense que beaucoup, à la place de Mais Gasset, auraient déjà jeté l'éponge. dans ma Voilà, tête, donc, quand mais. je pose cette question, dans ma tête, je vois plus une solution interne plutôt que de faire venir un autre coach, si vous voulez, dans Je pense aussi, je... mais je vois pas ce que ça apporterait de plus. Ça un changerait élect... quoi? D'accord, non, mais un électrochoc pour changer les habitudes, Oui, bouleverser mais le t'as groupe. trop Long et Roche qui disent leurs mots et qui font ce qu'ils veulent aussi, fait que le coach est obligé de subir, et à un moment donné, c'est pas le coach qu'il faut changer. Tu sens très bien que le D'accord. coach, enfin, Gasset, il n'a pas son mot à dire pour moi. Donc, que ce soit Gasset ou un autre, le problème sera pour moi le même. Après, ça peut créer quelque chose. Effectivement, je ne dis pas le contraire. Hein. Ça serait bien. Hein. Si c'est la solution, on le fait, il n'y a aucun problème. Hein. Mais Jean-Luc Gasset, avec son expérience et tout, comme je l'ai dit, sa préparation un peu tronquée, etc., je vois pas ce qu'un autre mec à sa place pourrait faire de plus. Voilà. C'est juste ça, en fait, que je me dis, à part si c'est un sorcier, et voilà. Mais j'y crois pas trop. Il y a Claude Leroy qui est dispo dans ce cas. Il y en a un qui le dit, qui dit Plasil. Non, ouais, Plasil, je sais pas. Gino, qu'est-ce que tu en penses? Ensuite, Samuel, et après, on clôturera avec Non, mais je la cible. rejoindrai Joe sur le constat global. Je pense que voilà, Gasset, c'est la dernière pièce en termes de responsabilité. Si tu pars par rapport à la direction, au directeur sportif, pour moi, au joueur, bon. Mais il est en difficulté. Donc il n'y arrive plus, c'est clair. Si tu perds contre Saint-Étienne, tu vas voir quand même les équipes arriver très vite derrière toi. Tu vas être sur une série qui paraît interminable. Donc, à mon avis, ils vont commencer à se poser la question, si ce n'est pas déjà le cas. Et je pense que oui, la solution interne, elle sera obligée d'être là. Et un mec comme Plasil, un mec comme Chalmé, je ne sais pas, avec de la motivation, un esprit un peu commando
sur très peu de temps pour te permettre de gagner des points. Et c'est pas ce que je souhaite, parce que je pense que Gasset, quand même, c'est un mec qui aime le club. Moi, personne ne lui souhaite ça, Jean-Louis Gasset, mais il a l'air perdu et ce qui se passe en ce moment au club, c'est, ça augure rien de bon, malheureusement. Samuel, il a tout dit. Est-ce qu'il peut se retirer de lui-même, Jean-Louis Gasset? Est-ce qu'il peut dire, moi, voilà. J'allais te dire, pour moi, il doit être viré. Sportivement, ses résultats, il doit être viré. Dans un club qui tourne bien, il doit être viré. C'est ce que je tweetais hier. Et pourquoi je dis dans un club qui tourne bien? C'est parce qu'aujourd'hui, à Bordeaux, le virer, ce serait presque lâche de la part de la direction. Parce que la situation dans laquelle il est, ils sont en partie, voire les principaux responsables. Si ce n'est les uniques responsables. Maintenant, lui, sur ce qu'il produit depuis plusieurs semaines, c'est une catastrophe, il fait rien. Donc moi, en fait, comme la question que tu viens de poser, Nico, c'est la bonne. Pour moi, Jean-Louis Gasset doit démissionner aujourd'hui des Girondins. Déjà, pour préserver son honneur et pas se faire virer, parce qu'il ne le mérite pas nécessairement, entre guillemets, par rapport à l'histoire qu'il a avec Bordeaux. Et puis parce qu'aujourd'hui, il est plus compétent pour diriger cette équipe. Il l'a montré encore hier. Les choix qu'il fait, continue à faire jouer les sénateurs, les jeunes. En fait, il n'a pas encore tout testé pour sauver Bordeaux de cette mauvaise période. Et surtout, il ne le tente pas. Sauf que là, ça fait 12 ou 13 matchs que c'est cette situation et c'est toujours la même. Donc, c'est un problème. C'est un problème. Et ouais, moi, j'espère qu'il démissionnera. Je pense, enfin, j'espère qu'il démissionnera parce que je ne pense pas que la situation va s'améliorer d'ici la fin de saison. Mais de toute façon, il faut se séparer de lui. Et moi, j'aimerais juste quand même qu'à la fin de l'année, parce que beaucoup se sont plantés, moi le premier, on fasse le bilan de Gasset parce que oui, il n'a pas eu la préparation, oui, ce n'est pas son effectif, etc. Mais en termes d'idées de jeu, ce qu'il a proposé avec Bordeaux cette année, c'est une honte. C'est une honte. Il y a eu des mecs avant lui qui se sont fait massacrer par l'opinion publique pour en étant voilà, à moitié aussi moins moche que ce qu'il a été. Et sincèrement, il faudra qu'on en parle à un moment et que certains sortent du bois et nous expliquent ce que c'était le football soi-disant où on était sûr de faire une belle saison en Ligue 1 correcte, etc. Parce qu'on ne l'a pas vu, ça, avec Gasset. Alors, la statistique, c'est qu'avec 39 matchs, Gasset a 1,13 points par match. C'est-à-dire que c'est le total de points le plus faible qu'un entraîneur des Girondins ait eu. 39 matchs ? 39 matchs, 32 matchs, pardon. 31 matchs ou 32. Ah oui. J'ai fait la stat, 31. Mmh. Et c'est le total le plus faible qu'un entraîneur des Girondins ait eu. Avec un club, Paulo Sousa, c'était 1,21 points par match. Voilà, bon, c'est factuel, hein. Ce sont les faits, c'est les points qu'il gagne. Mais c'est surtout les idées là qu'on reproche, hein, plus que les points par match. Oui, il n'a pas la solution en fait. On voit que... Mais est-ce qu'un autre coach aurait la solution? Bon, on va demander à Lassina ce qu'il en pense en tant que joueur professionnel. Il a connu des vestiaires, il a connu peut-être des situations difficiles dans des clubs, Lassina, donc qui ressemble à ça. Est-ce que tu as connu, Lassina, des situations difficiles qui ressemblent un peu à ce que vit Bordeaux aujourd'hui dans des clubs que tu as fréquentés, où tu as joué? On t'entend pas. On t'entend pas, Lassina. On t'entend pas. Ah. Non. Non. Encore un coup de Frédéric Longuepé. Non, on n'entend pas, c'est bizarre, hein. Attends, ouais. Peut-être si tu quittes et tu reviens. Ah, vas-y. Non, t'entends pas. Je sais pas ce que t'as fait. Attends. Quitter, revenir. Hop. Non. Non, on l'entend plus. Ah, voilà. Si tu veux, je peux combler en citant toutes ces erreurs sur les derniers matchs. Hein, Là, il peut prendre son temps. Hein. Bon, sur le chat, qu'est-ce qu'ils disent, Conan? Nos amis. Oh ben, en résumé, je prendrai une phrase de Zozor 55 qui dit « Tu auras beau mettre Sébastien Loeb dans une polo TDI, il ne pourra pas faire de miracle. » Ouais. C'est... Ouais, c'est d'accord. Un peu l'image, quoi. C'est ça le problème. C'est que le problème, certes, c'est l'entraîneur sur ses choix et tout dans le match, les remplacements ou autres, mais d'un autre côté, l'effectif à côté ne l'aide pas plus et tant qu'il n'y aura pas quelque chose dans l'effectif... Ça, je l'accepte plus, cette excuse. Elle n'est pas acceptable. Parce que qu'on me dit ça pour jouer les 8 premières places, ok. Qu'on me dit ça pour ce qu'on voit depuis 2 mois, c'est comme l'histoire avec Otavio où ça commence à me sortir par les oreilles sur Twitter. Tous les gens qui me disent « Ah ben oui, si Bordeaux va mal, c'est parce qu'Otavio n'est pas là. » Non, non, à un moment donné, il va falloir s'arrêter 5 minutes. Otavio, il était là en début de saison. Ça n'allait pas non plus. Ça y est, il s'énerve.
Non mais certes, ça allait mieux à un moment donné quand Otavio allait bien sur la période de décembre. Enfin, le point en fin de saison, Samuel. Enfin, le point sujet à fin de saison. Non, mais faut le dire, ça n'allait pas non plus. Otavio, l'an dernier, il était titulaire sous Paulo Sousa. Ça ne marchait pas à tous les matchs. Donc, je veux dire, ça m'exaspère, en fait, la lecture des supporters qui est simpliste. Elle est plus simpliste de que certains, la direction. De certains, bien sûr, Nico, on se comprend. Mais de certains qui est simpliste, qui est plus simpliste que la direction. C'est-à-dire que des fois, je préférais presque parler avec la direction qu'avec eux. Parce qu'ils nous disent, en gros, toujours des trucs factuels. Oh, mais non, Gassé, s'il n'arrive pas, c'est parce qu'il a un effectif trop faible. Mais allez dire à 7 ou 8 équipes de Ligue 1 que Bordeaux a un effectif qui est trop faible, mais les mecs se jettent par la fenêtre de leur bureau. On ne se rend pas compte qu'à Bordeaux, il y a quand même, t'as quand même des mecs comme Koscielny, comme Ben Arfa, t'as des jeunes talents comme Yacine Adli, comme Josh Maja au début de saison. Mais va dire ça à Nîmes. Va dire ça à Nîmes, va dire ça à Lorient qui sont en train de faire une meilleure saison que toi. Mais les mecs, ils deviennent tarés, ils s'en vont en courant. Il faut arrêter avec ces excuses. Lassina est là, on va faire un test de sang. Ah oui, il est là. Ah bon. Oui, on t'entend. Tu as entendu la diatribe et l'énervement de Samuel sur Jean-Louis Gasset. Quelle est ton analyse? Et je réitère ma question de tout à l'heure. Est-ce que tu as connu des vestiaires où ça n'allait pas, la descente? Est-ce que ça t'est arrivé de jouer la descente? J'ai été à Ajaccio et quand à Ajaccio, ils avaient, au mois de décembre, ils avaient 4 points de moins que le premier relégable. Avec Patrice Lecour, on était allé pour que l'équipe puisse se maintenir, même. Alors, on avait assez de marge. On était arrivé à la trêve, on avait le temps. Aujourd'hui, on est dans une situation avec un entraîneur à qui il ne reste plus beaucoup de temps, avec des joueurs qui n'adhèrent plus au projet de l'entraîneur. Et la question, c'est qu'on se pose, est-ce que l'entraîneur est capable, dans la situation des matchs qui nous restent, à prendre des points? Est-ce que les joueurs sont capables de retoucher les manches? Vu déjà le nombre de temps passé avec ces joueurs-là sans qu'ils soient réceptifs à l'écoute de son discours. Moi, je pense qu'il faut effectivement, comme le fait souvent, Garcia, un adjoint qui est Plasil, faire de sorte l'électrochoc, effectivement, est-ce que le sortant, c'est ce qui va amener les joueurs à changer leur fusil d'épaule et à s'investir d'autant plus? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut effectivement permettre à Gasset d'aller jusqu'à la fin de la saison. Moi, c'est vraiment la solution, c'est de l'amener jusqu'à la fin de la saison. Effectivement, s'il faut, au sein du vestiaire, donner plus de responsabilités, parce qu'un entraîneur, aujourd'hui, c'est celui qui fait le choix des joueurs, même s'il s'entretient avec son adjoint, donner plus de marge de manœuvre à l'adjoint pour lui permettre effectivement, en complicité du choix qui doit être fait. Certains me diront, mais ils le font déjà. Non. Quand cela va être officialisé par les décideurs, par le président, ça permettra juste à certains joueurs de prendre conscience qu'effectivement, il y a une nouvelle donne et que cette nouvelle donne, c'est jusqu'à la fin de la saison avec l'adjoint qui est Plasil à pouvoir décider à 50% des choix et du dispositif qui doit être mis en place jusqu'à la fin de la saison. Je pense qu'il faut vraiment une décision qui vienne des dirigeants, ne pas évincer Gasset parce que ceux, je vais vous dire très clairement, à un certain moment, qui dans le vestiaire étaient pour cette raison, parce que le vestiaire est divisé aujourd'hui, il y a des pros et des anti-gassés. Et ça, il faut que vous le sachiez. Effectivement, c'est de donner raison à ceux-là. Non, il ne faut pas donner raison à ceux-là. Et là, est-ce que Plasil, il aura l'écoute du vestiaire? Parce que moi, je me demande quand même un truc avec Plasil, c'est que Plasil à Bordeaux est très respecté. Maintenant, des mecs comme Koscielny, comme Koscielny, comme Ben Arfa, qui sont pas spécialement des suiveurs de Bordeaux depuis des années, qui ont pas suivi le Grand Bordeaux des années blancs gassés, etc. Est-ce que ces mecs-là vont considérer que Plasil, il a l'aura suffisant pour leur dire sur la fin de saison, toi tu fais ci, toi tu fais ça, moi je suis un ancien et tu te tais. Je suis pas sûr que ça marche. On se souvient que quand il y avait eu le ticket espagnol, Ramé, Chalmé, et j'en oublie un dernier, mais je crois Bédoué, si je dis pas de bêtises, on se souvient que dans l'équipe, tu avais des Gilbert, tu avais des Ounas, tu avais des Thomas Touré. C'était une équipe très jeune de Bordeaux, donc on se disait que forcément le truc pouvait prendre. Là, moi, cette année, quand je vois l'effectif, parce que c'est ça qu'on dit pas avec l'effectif de Bordeaux, et on me dit, ouais, l'effectif, il est pas bon. Mais tu as plein de joueurs dans cet effectif qui sont intrinsèquement, en termes de qualité, qui sont pas mauvais. C'est juste que là, on n'est pas sur des joueurs en début de carrière ou quoi.
on est sur des joueurs qui sont sur la fin. Et c'est ça le problème. On est joueurs qui sont sur la fin. Mais c'est intéressant ce qu'il dit quand même, Lassina. Moi, j'y avais pas pensé à ça. Honnêtement, Lassina, j'avais pas pensé à cette. C'est la solution la plus logique parce que c'est la solution interne, bien sûr. Plazil, c'est le on va dire le, avec Mavouba, c'est les deux mieux placés aujourd'hui. Mais tu gardes Gassé. J'ai une question à Lassina parce que. Eh oui, tu gardes Gassé, c'est ce qu'il dit. À 50-50, hein, c'est ça que nous dit Lassina. À 50-50, tu donnes le pouvoir à Plazil pour faire l'équipe. Je pense que Gassé démissionnerait maintenant. Parce que là, ce qu'il nous dit Lassina, c'est vrai qu'on l'a jamais dit, mais il dit il y a la moitié du vestiaire, ils veulent plus de Gassé, quoi. Ah c'est mais ça c'est une réalité. Ah, c'est une réalité. Oui. Eh ouais. Mais si c'est la moitié des joueurs expérimentés, est-ce qu'ils donneront du crédit à Plazil? Moi c'est la question que je me pose. Le fait que ça soit annoncé par le dirigeant et qu'il vienne l'annoncer aux joueurs, n'oublions pas que quand on est adjoint, il y a une chose que les gens ignorent, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent plus se confier à l'adjoint qu'à l'entraîneur. Ça veut dire que quelque part, Plazil, ils ont déjà un tour de magie qu'ils ont, qu'ils doivent mettre en selle. Pour permettre à réconforter certains joueurs et le vestiaire, et à réconforter Garcia aussi pour ne pas que ceux qui souhaitent qu'ils partent. Voilà, je pense que ça serait une meilleure politique parce qu'au-delà. Et Plazil, moi j'ai l'impression qu'il est proche des jeunes, Lassina. J'ai plus l'impression que les mecs dont on parle, les Koscielny, les Bayes, les Ben Arfa, leur relais, c'est Gassé au printemps, et que Plazil, il va plus être proche des jeunes. Sauf que les jeunes, on le voit aujourd'hui. Bah, ils ne sont pas encore impliqués. Et moi, je le regrette profondément. Ils ne sont pas encore impliqués. Moi, j'aurais voulu voir Mara et Traoré. J'aurais voulu les voir avoir 45 minutes hier. Rentrer à la mi-temps, leur dire ben, voilà, de toute façon, le match est perdu. Vous avez 45 minutes. Oui, Lassina, vas-y. Je voulais dire que forcément, peut-être tu le penses. Mais je pense qu'il y a certains qui ont de la bouteille qui sont probablement des joueurs aussi qui ont envie que. Probablement, Plazil, elle est 50% de décision à prendre. Voilà, il faudrait essayer ça. Au moins, tu finirais une saison avec une politique de dire effectivement, ben, on ne fait pas plaisir ou on ne donne pas raison à ceux qui sont complètement à ce que l'entraîneur soit évincé et qui pourront dire, voilà, il est évincé aujourd'hui, voilà, on a eu sa peau. Et voilà, soyons politiques un moment. Essayons de faire de sorte à ce que cette saison puisse bien finir et par la suite on prendra les décisions qui doivent être prises. Ouais. Est-ce que Gassé il accepterait ça? Ah oui, il faut lui amener la chose. Et si vraiment un entraîneur, je vous explique, être entraîneur pour venir dans un club comme les Girondins de Bordeaux, on sait que c'est un club famille, qui qu'à un certain moment il y a des choses qu'on peut faire et à Bordeaux qu'on ne pourra pas faire ailleurs. Voilà, je pense que en lui amenant la chose, il faut savoir lui amener la chose. Je pense qu'il n'aura pas d'inconvénient à faire. Il n'aura pas plus ou moins de difficultés à ce qu'il aille à l'encontre de cette décision. Parce que cette décision qui sera prise, c'est dans l'intérêt du club en ce moment-là. Bon, vous voulez réagir, messieurs, à ce que dit Lassina, Joe et Gino, qui n'avaient pas parlé? Non, mais après, on parlait de Plazil, etc. Mais ces joueurs sont déjà dans le vestiaire, ils savent très bien ce qui passe. Et les adjoints sont censés aussi essayer de créer quelque chose dans le groupe et ils n'y arrivent pas non plus. Donc pour moi, je vais réagir à un adjoint, je ne vois pas l'intérêt. Je vais réagir juste à ce que vous dites là. Quand Eli Bob prend la place de Guy Stéphane, on était dans une période des difficultés. Mais cela n'empêche que quand Eli Bob a pris la place de Guy Stéphane, en accord avec certains, je vais vous dire, non, Eli Bob, ce n'est pas le président Jean-Louis Triot qui a décidé du jour au lendemain à évincer Guy Stéphane. Ça s'est fait en accord avec certains joueurs, cadres en ce moment-là, qui ont facilité la mise en place de l'invitation de Guy Stéphane. Aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse de sorte à ce que certains joueurs, le vestiaire est divisé. Certains joueurs ont fait la politique à la fois des Gassé. Et je sais bien que les adjoints, ils ont un très grand rôle dans le vestiaire. Donner 50% de décision à Plazil aujourd'hui va permettre probablement au vestiaire de dire, voilà, Plazil, c'est son rôle aussi. À lui de prendre son bâton de pèlerin, de dire, voilà, je suis maintenant le numéro 1 à égal avec Gassé. Maintenant, les gars, et par moment, je pense que l'amour du maillot, au-delà de l'amour du maillot, et l'affect qu'on peut avoir pour les gens peut vous permettre de vous surpasser. C'est intéressant tout ça. Parce que ça n'avait pas fonctionné à Saint-Étienne. Souvenons-nous, le ticket Sablé-Gassé,
Gasset avait fini au bout d'un mois par, par absorber Sablé parce que la cohabitation avait pas marché, mais c'était plus du côté de Sablé à l'époque. Était absolument. Et là, cette différence du côté de Plasil, oui. En plus, qui est un joueur qui a joué quand même énormément de temps à Bordeaux et qui, quoi qu'on dise, je pense qu'il saura trouver les mots, il saura trouver la complicité et de faire de sorte à ce qu'on finisse bien la saison. C'est hyper intéressant parce que là, Lassina, tu nous amènes un regard que moi je n'ai pas. Regard technicien, regard d'une. Tu as vécu des vestiaires et toi tu sais que c'est faisable. Tout ça, nous on le voit pas, les discussions. On est des observateurs, il y a des journalistes, des supporters. On ne peut pas imaginer que ça se discute comme ça, qu'avec les quatre du vestiaire. En tout cas, moi je l'imaginais pas. On rentre pas autant dans le détail et c'est vrai que ça peut être une solution, mais après. En tout cas, ce qu'il faut, c'est changer quelque chose. On est d'accord là-dessus. Voilà. Est-ce qu'avec le Bordeaux d'aujourd'hui, ça pourrait se faire ça avec en même temps le directeur sportif, le président qui décide ceci, qui dit attention, il ne faut pas faire jouer lui parce qu'il a un type de contrat spécial et ainsi de suite. Au final, il y a aussi des restrictions. On ne va pas se mentir. Hein, si ça continue comme ça, Roche et Gasset devront démissionner à la fin de la saison. Pas être viré pour toucher un chèque, etc. Ils devront démissionner parce que leur mission sur une saison aura été un échec total. Et surtout, la communication qu'ils ont eue et les choix qu'ils ont fait au cours de cette saison auront été catastrophiques. Donc, il faudra démissionner, messieurs. Et notamment, pour un des deux, il faudra la mettre en veilleuse. Parce que ça fait 10 ans que ça explique dans toute la France qu'il lui faut un poste de directeur sportif, etc. On aura vu ce que ça aura donné. Bon, ça c'était un quand il est arrivé, on a été les premiers à dire on ne va pas juger quelqu'un qui n'a pas encore eu le temps de travailler, etc. Même s'il y a un contexte particulier, il faut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait depuis le début, ça va à contre-courant et c'est à contre-sens. Il n'y a pas de communication, c'est-à-dire qu'ils ne communiquent pas, ils ne se mettent pas, comme il disait Lassina, les joueurs, il faut se mettre front contre front. Mais des fois, entre directeur sportif, entraîneur, président, il faut se mettre front contre front et s'expliquer, quoi. Pour pas s'expliquer devant la presse, quoi. Voilà, il n'a jamais osé communiquer, notre ami Alain Roche. Si, pour démentir les propos de Koscielny. Oui, voilà, alors imagine, mais franchement, jamais... pour prendre en main la situation du club et dire au moins ce qu'il pensait. Et c'est pas comme s'il ne connaissait pas les médias et qu'il n'avait pas 2-3 amis à passer des coups de fil pour communiquer s'il en avait besoin. Voilà, messieurs, il est 21h02, on est déjà 1h30 d'émission. On avait le thème de Saint-Étienne à faire. Est-ce que, Lassina, tu as encore 5 minutes? Oui, j'ai 5 minutes à vous accorder. Je suis un passionné des journées, alors. Ah bon, merci. Merci, génial. Merci. Bon, ça fait plaisir. C'est un bonheur de t'avoir. Merci beaucoup. On a parlé de Gasset. On ne va pas faire trop longtemps dessus. Bordeaux se déplace à Saint-Étienne. Est-ce que c'est le dernier joker? Joe, tu avais préparé peut-être un petit laïus sur Saint-Étienne pour nous le situer? Ouais, c'est surtout un comparatif entre Bordeaux et Saint-Étienne pour montrer un petit peu. Donc, c'est le 14e contre le 15e, et 36 points chacun à 7 points de la zone rouge. Donc, c'est un match très important pour ces deux mastodontes du foot français, hein, ces deux clubs historiques, clairement, qui sont en danger. J'ai fait le point un petit peu sur les 10 derniers matchs. Bordeaux, c'est 4 points. C'est la 19e équipe de Ligue 1, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la seule équipe qui fait pire que nous sur les 10 derniers matchs, c'est Dijon. Donc, on serait complètement relégable et complètement largué. Saint-Etienne, sur les 10 derniers matchs, c'est 17 points. C'est quand même 13 points d'écart entre les deux équipes sur les 10 derniers matchs, ce qui n'est pas négligeable pour des équipes qui jouent pour le maintien, clairement. Il y a eu des victoires, notamment pour Saint-Etienne contre Nîmes et Strasbourg. Bon, nous, on est passé complètement à côté de ces matchs-là. Ils ont eu beaucoup, par contre, de victoires à l'arraché, des 1-0, beaucoup de scores un partout, etc., sauf sur les matchs où ils gagnent 2-0. Ils ont pris quelques fessées face au gros, notamment Monaco 4-0 et Lyon 5-0. Il y a un peu d'espoir, c'est que Saint-Etienne est moins performant à domicile qu'à l'extérieur. Saint-Etienne, c'est que 3 victoires à domicile cette saison contre 6 à l'extérieur. Donc à domicile, c'est un peu plus compliqué. Ils ont deux systèmes, c'est 3-4-1-2 ou 4-1-4-1 selon l'adversaire. Une équipe qui performe en compte, notamment avec Denis Bouanga qui revient bien. Les jeunes joueurs qui avaient du mal en ce début de saison commencent vraiment à se faire une place et sont vraiment intéressants pour certains. Il y a les Kazri, Bouanga, Debuchy qui reviennent bien en plus en forme là sur les derniers mois. Donc voilà, sur les 10 dernières années, Bordeaux s'est imposé 2 fois à Saint-Etienne. Saint-Etienne a gagné 2 fois chez eux contre Bordeaux et après c'est que des matchs nuls dans la plupart des cas. Donc voilà, les voyants sont plus qu'au rouge chez nous. Saint-Etienne, ça va un peu plus dans le bon sens, mais c'est pas non plus vraiment encore la bouffée d'oxygène. C'est quand même un club qui reste encore très fragile. Ils ont quand même plus de certitudes que nous à l'heure actuelle, mais qui peuvent être fortement
balayer si Bordeaux prend l'avantage du score, clairement. Mais on sait que ces deux équipes, quand elles sont menées, elles ne savent pas attaquer. Bordeaux et Saint-Etienne, c'est le même combat à ce niveau-là. Celui qui prendra l'avantage sur ce match-là, comme une finale, il aura de grandes chances de gagner à la fin. Voilà. Ça peut être nul. Lassina, tu le vois comment ce match? Moi, je vois plutôt une défaite parce que je ne vois pas gagner un match. Aujourd'hui, si ça n'a pas de changement, moi, je ne vois pas gagner un match. Donc, quelle est ta vision? Ma vision, c'est la préparation du match. Il y a le plan de jeu du match qu'on envisage. Est-ce qu'on va à Saint-Etienne en sachant qu'effectivement, on vient de perdre à domicile et qu'on a successivement perdu des matchs et qu'on a pris 4 points sur les statistiques qui viennent d'être données, le constat qui vient d'être fait? C'est 4 points sur 10 matchs. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que sur les 7 matchs qui nous restent à jouer, déjà, il faudra qu'on change le dispositif. Je trouve qu'il faut trouver un équilibre à la fois. C'est plus facile de transfercer une équipe qui joue à 3 défenseurs derrière que d'avoir 4 et 2 milieux à l'ancienne avec des joueurs capables d'avoir. Il faudrait qu'on ait dans un premier temps le souci de ne pas prendre de but et après de se projeter. Ce n'est pas de peur de dire on vient, on fait bloc. Aujourd'hui, on est dans le scénario où nous, il faut pas qu'on prenne des buts, qu'on en marque un de plus que l'adversaire. Et préparer les acteurs avec un mental de se projeter dans ce plan de jeu. Ce n'est pas aujourd'hui réducteur de dire dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut aller effectivement marquer 3 buts, parce qu'on ne pourra pas marquer 3 buts. On sera en difficulté quand on essaiera d'aller marquer 3 buts. Par contre, jouons avec ce qui n'a pas été notre ADN, essayons de préparer nos joueurs avec un système ultra défensif, quitte à ce qu'on ait une occasion qu'on marque un but. Voilà. Moi, en tout cas, j'aurais été dans le plan aujourd'hui de dire quelle est l'idée que tu penses avoir le mieux aujourd'hui pour le club, c'est de dire effectivement jouant avec un dispositif ultra défensif, et on a la possibilité, on ne joue jamais 90 minutes sans avoir une ou deux occasions de but. C'est impossible. Profitons d'une occasion de but, de marquer un but. Et comme Saint-Etienne a souvent gagné avec un but de différence, parce qu'ils sont dans un projet, dans un plan de jeu, de ne pas prendre de but, de gagner un but, de marquer un but et d'avoir le résultat à la fin du match. Ayons aussi ce plan de jeu. Pour moi, ayons la force d'aller à Saint-Etienne, de venir avec un point, de dire on viendra quoi qu'il arrive avec un point, soit on a 3, c'est mieux. Bon, Gino? Non, mais qu'on soit plus solide, là je le rejoins à la Sénat. Je pense qu'on ne peut pas entamer le match comme on l'a fait dimanche, c'est impossible. Sinon, on va avoir de grosses désillusions parce que Saint-Etienne, eux, ils sont sur une meilleure dynamique, tu l'as dit, ils ont des joueurs qui reviennent un peu mieux. Et je pense que voilà, il faut qu'on solidifie notamment le milieu de terrain. Moi, je ferai un milieu de terrain à 3 pour que justement ta défense, elle soit pas justement à la peine avec des joueurs en face qui vont vite comme Bouanga notamment, qui est capable de prendre des espaces et de nous faire très mal. Donc ouais, au moins avoir une équipe plus solide, faire des changements. Je pense que c'est important aussi d'avoir peut-être d'autres profils, d'amener peut-être un peu de fraîcheur. C'est peut-être le moment pour Gassé, mais peut-être de voir que certains ils sont pas du tout mentalement. Donc voilà, je pense que c'est très important parce que sinon, ça sera très compliqué jusqu'à la fin si on arrivait à perdre encore une fois. Je pense que moralement, ça va devenir très compliqué. Sam? Moi, je rejoins la Sina, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le système, il faut le changer parce que revenir à ce 3-5-2, c'est bien, mais en fait, on critiquait beaucoup Souza à l'époque sur ça. Mais ce système, quand tu joues dans ce système, c'est parce que tu as une idée de jeu, tu as une animation particulière. Là, il n'y en a pas. Là, on empile les joueurs. Donc, effectivement, revenir à du classique, un base Koscielny, un milieu à 3, comme l'a dit Gino, avec je sais pas qui, Zerkan peut-être, Seri Zerkan Adli, voilà, essayer de le blinder. Mais ouais, moi, je pense qu'on peut faire nul parce que Saint-Etienne est quand même une équipe assez jeune. Tiens, d'ailleurs, un des trucs que je pensais pas leur envier en début de saison. Mais c'est une équipe assez jeune qui a quelques individualités qui reviennent bien, comme Kazri et Bouanga, donc qui peuvent nous faire du mal. Mais je pense que on peut encore s'appuyer peut-être on peut encore espérer que Koscielny et Bay soient efficaces sur un match. Et donc voilà, je pense un 0-0 un partout est faisable. Même si, comme l'a dit Lassina, on a toujours une ou deux occasions dans un match.
faut les concrétiser. Malheureusement, à Bordeaux, on les concrétise quasiment jamais. Donc, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai peur qu'on en prenne un et qu'on n'arrive pas à le concrétiser et qu'on finisse par perdre 1 ou 2-0. Allez, rapidement, Joe, ton pronostic ? Tu es le roi du pronostic. 0-0, ok. Et avoir peur de cette équipe de Saint-Etienne quand on sait d'où elle vient, Nico, quand même, c'est grave. Hein. Ouais. On va terminer l'émission, il est 21h10, on va respecter le temps. Conan, un dernier mot du chat, s'il te plaît. On va dire les... Est-ce qu'ils sont contents? Ah oui, ça, ils sont heureux d'avoir eu la ciné avec nous. maintenant, pour le match de Saint-Etienne, beaucoup voient la défaite. Après, par contre, plusieurs aimeraient voir Tom Lacou titulaire. Ah. Tiens, un mot pour terminer là-dessus. Tom Lacou, Stade Bordelais, milieu qui joue un poste auquel tu as évolué. Quel est ton sentiment sur ce joueur qui amène de la fraîcheur, je trouve? On a parlé d'Otavio tout à l'heure. Quand il était là, ça permettait de consolider. Aujourd'hui, le football a besoin d'un joueur de devoir, d'un joueur capable de ratisser le ballon, de couper entre les lignes, de savoir que mon coéquipier a le ballon, mais il peut le perdre. Il faut que je sois réactif en cas de perte de balle pour pouvoir enrayer. Ça, c'est très important. Toutes les équipes qui ont ces genres de joueurs aujourd'hui, c'est des équipes qui se portent bien parce que c'est bien d'attaquer, mais il faut qu'il y ait des joueurs soucieux de récupérer le ballon et d'empêcher l'adversaire d'aller plus vite et d'avoir une vraie transition. Bien sûr. Voilà, et donc peut-être Tom Lacou, mais ça permet de peut-être envisager sa titularisation. On verra s'il y a du choix. Ouais, ça serait intéressant. Moi, je partage complètement. Il faut des joueurs de devoir. On n'a rien à perdre, encore une fois. Des grognards sur le terrain. Moi, je vais te dire, Nico, si Lacou, Traoré et Mara peuvent être titulaires à Saint-Etienne, ce n'est pas une mauvaise chose parce que ça n'enlèvera pas de la qualité à l'équipe aujourd'hui, je pense. Après, de toute façon, la solution qui a été dite sur le chat, c'est qu'il faudrait, dans tous les cas, engager tous les Diabaté. Ils ont été bons. Que ce soit Lassina Diabaté, Jaydan Diabaté. Ouais. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre, là, dans les parages, qui pourrait venir? Ça arrivera. Ah, mais si Lassina, il veut jouer vendredi, il nous dit, on fait une pétition sur les réseaux. Hein. Vraiment, je sais pas, il fera du bien au milieu de terrain, j'en suis persuadé. On aura une paire de défensifs ivoiriennes là avec Seri et Lassina. Ah non, je pense que si Lassina il vient, à mon avis, notre ami Jean-Michel, il ira faire un petit tour sur la banquette. Bon, en tout cas, merci Lassina, merci messieurs. Tu reviens merci. Quand tu veux, Lassina. C'est moi qui parle. Merci. C'était un vrai plaisir merci à vous, merci. D'avoir bonne partagé ça. Bonne soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour nous soutenir, c'est un like, c'est un abonnement à la chaîne YouTube. Ou si vous voulez aller plus loin, vous pouvez devenir sociaux. Allez-y, il y a le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Voilà, on parlera peut-être. Il y a des questions que je n'ai pas posées sur le numéro 6, mais ça sera peut-être l'occasion de te réinviter si tu le souhaites dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà. Merci beaucoup. Saint-Médard-Angeal, le FC Football Club de Saint-Médard-Angeal. Allez-y, à la rentrée, inscrivez-vous ou amenez vos enfants pour jouer. Et c'est Paul Bayce, le parrain du club. Voilà, je le précise, je ne l'avais pas dit. Voilà, merci à tous. Petit générique de 15 secondes. Lassina, ne raccroche pas. On se retrouve juste après le générique de 15 secondes. A tout de suite. Au revoir. Salut à tous. Bye. Salut.